Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission du samedi, l'Arche de Yona, émission consacrée aux animaux. Eh bien aujourd'hui, émission spéciale pour plusieurs raisons, c'est la dernière émission de la saison déjà, on va partir en vacances pendant un mois, mais c'est pour mieux se retrouver à partir du mois de septembre. Deuxième raison, eh bien ça y est, Alan vous l'a dit, on est en direct sur YouTube. Alors qu'est-ce que ça va apporter YouTube ? Bah tout simplement que vous allez pouvoir nous écouter même si vous partez en vacances, si vous avez de la famille au bout du monde, Voilà, tout le monde va pouvoir nous écouter, il n'y aura plus d'excuses et ça va être top, ça va être vraiment une très bonne chose pour l'Arche de Yona. Allez, on va commencer notre émission, on va pas changer nos habitudes, on va remercier notre bon Alan qui vous a accompagné depuis ce matin, 8h, parce Exactement. Qu'on est samedi, le samedi il est un peu feignant, commence plus tard. Merci Alan. Je t'en prie Mickaël, puis bravo pour cette belle innovation. C'est super. On va remercier notre nouvelle recrue Brandon quand même, parce que c'est vrai que ça vient de lui, depuis qu'il est arrivé, il bosse beaucoup, puis on va y trouver un petit surnom pour ça. Exactement, on va l'employer ici. C'est vrai, merci Brandon. Merci à toi de m'accueillir encore une fois, merci à vous. Franchement, tu nous apportes quelque chose. Effectivement, tu m'as fait travailler pendant une semaine non-stop. C'était un peu les galères, un peu chaud au niveau timing, mais on l'a fait, on a réussi. Voilà. Et c'est aussi grâce à toi aussi en même temps. Après, voilà, on attendra les retours, tout ça, et puis. Ouais, ça se passe bien là. Je les ai en direct, tout sous les yeux, ça se passe super bien. Il y a pas de souci. Continuez à nous écouter, à partager, c'est très important pour nous. Allez-y, n'hésitez pas. Voilà. Alan, ton programme du week-end. Oui, effectivement. Petite promenade, je pense. Et puis, toi, je vais te souhaiter de bonnes vacances. Bien méritées. Merci beaucoup. On va être en vacances un mois. Ça va faire un peu de bien, mais j'ai hâte de revenir quand même pour les animaux. Oui, quand même. Voilà. Merci beaucoup, Alan. Merci, Mickaël. Bonnes vacances. Romain, notre cher technicien, le meilleur DJ de la bande FM. Romain, là, il est tout blond aujourd'hui. Oui. Il a bronzé un peu. Parce que la dernière fois, il est parti un peu en Bretagne, c'est ça, Romain ? C'est ça, oui. T'as pris des couleurs. Ah bah oui. T'es radieux. Oula, tu me flattes. Il y en a derrière qui rigolent. Alors, Romain, ton programme, cette émission ? On verra bien. Hein. Ouais, tu vas nous préparer des bonnes choses. J'espère, oui. Voilà. On aura aussi au programme... Alors, attends, on va commencer par présenter notre invité du jour. Il fait partie aussi de l'équipe. C'est, j'allais le redire, Jean-Luc. J'allais redire Jean-Marc, je sais pas pourquoi. Jean-Luc, ça va Jean-Luc ? Ça va et toi ? Ça va très bien Jean-Luc. Jean-Luc qui est éducateur canin. Sur le Havre, voilà. Donc tu viens régulièrement quand tu peux. C'est toujours un plaisir de t'accueillir, des bons conseils et puis on va le dire, une bonne personne Jean-Luc. Merci. On lui fait des compliments, c'est la journée des compliments aujourd'hui. C'est les vacances. Il faut bien commencer quand même. Est-ce que tu viendras toujours nous voir à partir de septembre ? Mais bien sûr. On a de la chance. Avec plaisir. Voilà, Jean-Luc est là. S'il y a des questions à poser, vous n'hésitez pas. 02 35 30 53 84. Au programme aussi, alors à partir de... Midi 30. T'as le programme ou pas ? Oui, j'ai bossé. On va t'écouter. Allez, à partir du midi 30, c'est le refuge... Du cheval. Aquitaine. Par téléphone. On les aura par téléphone. Alors, beaucoup de choses à apprendre, à découvrir. Exactement, Et quelques minutes après. Vers 13h, 13h, 13h10. Oui, dans les alentours de 13h. Vas-y. Anne Clairet et sa mère, Nathalie Piralno, si je dis pas de bêtises, si j'égorge pas son nom, c'est très dur. Pour nous parler de son livre, Se cacher pour faire le bien. On avait reçu Jean-Marc il y a 3 semaines ici, qui nous avait parlé du livre et effectivement, ça s'est enchaîné là par la suite. On a réussi à les avoir et merci à eux de nous avoir accepté notre invitation. Voilà, ça c'est votre programme pour cette dernière. Bien chargé. Voilà. Allez, en attendant, je vous propose tout simplement, comme d'habitude, de partir en musique. Il a un grand sourire, il a dû préparer quelque chose, lui. Non, pour une fois, non. Tu vois, c'est tranquille. On t'écoute, c'est quoi ? Alors, les Magic System. Ça sent l'été, ça, effectivement. Avec ambiance à l'africaine, du coup. Tiens. La radio, avant de venir, c'est été. Désolé, je sais pas. Même en Afrique, on va pouvoir nous écouter en plus. C'est ça qui est top. Mais l'été arrive la semaine prochaine, il paraît. Canicule ? Oui, soi-disant. Il va falloir faire attention à vos animaux. Tiens, si tu as des petits conseils à donner, ça serait bien, ça, justement. Les sortir à une certaine heure, quoi. Surtout tôt le matin ou tard le soir, mais vraiment tard le soir, ou en forêt. Attention aux coussinets. Ne pas les laisser dans les voitures. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que le chien, il n'est pas comme nous, il transpire pas comme nous, on le fait. Eux, ils transpirent par les coussinets, ils transpirent aussi par allaitement. Donc, ils ont du mal à évacuer leur chaleur. Si on les enferme dans une voiture, évidemment, ils vont vite se déshydrater.
Les faire marcher sur du bitume, c'est le bitume, quand il fait vraiment chaud, ça peut monter 60-70 degrés. Donc ça va très vite. Donc, ça peut causer des brûlures. Ah bah oui, ça cause des brûlures. Et puis le chien, justement, bah, après, il peut en mourir, quoi. Il y a des chiens qui en meurent, quoi. Des brûlures aux pattes? Non, pas des brûlures de pattes. Le fait de ne pas pouvoir s'hydrater, de se déshydrater, on va dire, quoi. Parce que justement, comme je t'expliquais, justement, ils évacuent leur chaleur, leur trop de chaleur par les pattes ou par l'allaitement. Donc s'ils vont déjà sur un bitume qui est extrêmement chaud, ça va être très compliqué pour évacuer cette chaleur-là. Donc après, les chiens, oui, ils peuvent en mourir, quoi. C'est comme nous, est-ce qu'on va marcher pieds nus sur du bitume? C'est un exemple tout bête, même des fois, quand il fait très chaud, on va dans le sable, c'est même déjà insupportable de mettre le pied dans le sable. On n'y arrive pas. Et nous, on va demander aux chiens de le faire, quoi. Ouais, c'est clair. Non, de toute façon, on l'a dit pendant cette dernière émission. Oui, la semaine dernière, la règle des 10 secondes, c'est ça, la règle des... Non, je sais plus. Je crois qu'il y avait une règle, je sais pas si tu connais, des 7 secondes, un truc comme ça, que tu poses ta main sur le bitume. Oui, oui. Ouais. Bah, de toute façon, tu poses la main, tu vois tout de suite, hein. De toute façon, il n'y a même pas d'attendre 7 secondes. Hein. Tu poses la main, tu vois tout de suite. Et puis, de toute façon, tu vois, il y a une chose que tu vois bien déjà, par rapport à la chaleur, déjà. Tu sors chez toi, si tu vois qu'il fait une canicule, déjà, t'as même pas besoin de poser la main sur le bitume. Oui, de toute façon, il fait chaud. Hein. Et puis, bien souvent, sur le bitume, tu le vois, on voit un peu le bitume qui est un peu fondu, tout ça. Bah, là, déjà, tu vas pas mettre ton chien dessus, quoi. De toute façon, ils sont mieux de 1 quand il fait chaud. Moi, je dis, le mieux, c'est de les laisser à la maison, s'il y a possibilité, un petit ventilo, oui. Ou fermer baisser les volets, des choses comme ça. Une petite bombe aussi, une petite bombe. Ah oui, qu'on sert souvent, même pour les bébés ou quoi. Ça, bien sûr. Ouais, bah ça, j'en utilise régulièrement, ils aiment bien en plus. Sur la truffe, mettre ça sur la truffe, tout ça. Les chiens, ils adorent ça, quoi. Alors moi, j'ai un truc, on devait partir en musique un temps, Romain, on va te laisser, mais on est parti dedans, là. Moi, alors je sais pas si c'est bien ou pas. Moi, ce que je fais régulièrement en été, c'est que je récupère des gros os. Tu vois, je vais voir le boucher, des gros os que je mets au congélateur. Je les laisse bien congeler. Et comme ça, quand je pars déjà d'une, ça les occupe. Ça peut être des idées aussi pour les gens, des moments qui laissent leurs chiens à la maison et les chiens aiment pas rester seuls. Donc je trouve que c'est une super occupation, vraiment le gros truc que je mets au congélateur et je leur donne ça. Oui, bah c'est comme quand tu prépares un Kong. Tu vois, je sais pas, tu vois ce que ouais, c'est. Les jouets, là. Les ouais. Gros jouets que tu mets de la nourriture dedans, tu mets ça au congèle, tu leur donnes ça, ça leur permet de se rafraîchir, quoi. Ouais. Donc ça, c'est très bien. Par contre, ce qu'il faut éviter, c'est surtout, par contre, il y en a beaucoup, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont mettre de la nourriture dans de la glace. Ouais. Là, par contre, au niveau, comment s'appelle, la température par rapport à la chaleur extérieure plus la glace, il y a un effet de trop important au niveau de la différence de température, ouais. Ce que je veux dire. Donc, ça peut faire un petit choc au niveau du chien. Donc, c'est plutôt à déconseiller, ça. Vaut mieux, à la rigueur, la nourriture congelée, quoi, que mettre directement de la glace. Voilà. En plus, le chien, en léchant la glace, il peut se coller la langue dessus. Oui, bah, c'est ce que j'allais te dire, justement. J'allais te demander, est-ce que, par rapport, même que ça soit l'os ou les jeux, est-ce que le chien peut se coller la langue? Oui, ça peut arriver, bien sûr, ça ouais, peut donc, arriver. Ouais, donc ça peut être embêtant. Il faut faire attention à ça aussi, quoi. Non, l'idéal, comme je te dis, l'idéal, c'est de les sortir le matin de bonne heure, ou alors tard le soir, les sortir aussi en forêt. Sinon en forêt, même si c'est dans la journée, dans ces cas-là en forêt, ne pas les laisser dans les voitures, même si c'est 2-3 minutes. Hein. 2-3 minutes, s'il fait trop chaud, c'est suffisant pour que le chien il passe là. Il y a eu le cas il y a quelques jours, je ne sais pas si vous avez vu, je l'ai partagé moi sur la page de l'émission, ça s'est passé, je crois que c'est du côté de Roubaix, pas loin de Lille. Oui, le chien dans la voiture. Il y a des personnes qui ont laissé leur berger allemand dans la voiture, en plein soleil, et la bête est morte. Oui, c'est ça, ouais, parce que comme je dis, ils n'ont pas les moyens d'évacuer, quoi, comme nous. Déjà, même nous. On va pas rester dans une voiture s'il fait trop chaud, donc on va pas mettre notre chien, quoi. Et bien souvent, les gens, ils le font pas ça, ils font pas ça par méchanceté ou quoi que ce soit, ils font ça par ignorance. Ah non, mais quand on voit déjà que les gens le font pour leurs propres enfants, déjà, qu'ils laissent des enfants dans des voitures. Ils font ça par négligence, ils se rendent même pas compte du danger, quoi. Et après, la dernière chose qu'on peut faire aussi, c'est que simplement, c'est bon, on a tout à l'heure parlé aussi de leur mouiller la truffe, tout ça, ou même les pattes avec un gant ou quoi que ce soit. Et on peut aussi, ils vendent aussi des petites piscines. Donc des petits bacs bacs en forme de coquillage, ouais, qui servent ça, de bac à sable. Ou alors, là. Ou alors ils vendent carrément des petites piscines pour chiens et pour les mettre dedans, c'est sympa, quoi. Ouais, parce que le problème, c'est que niveau plage vers chez nous, on n'est pas gâté pour les autorisations des animaux. Bah après, c'est un peu compréhensible parce que c'est vrai que tu viens avec ton chien, si tu ramasses tes excréments, ok, mais si les gens ramassent pas, après toi, tu viens te mettre ta serviette là-dedans. Oui, mais d'un côté, il y a une photo qu'on voit régulièrement, par exemple sur les réseaux sociaux, où on voit la plage avec les hommes qui sont passés avec plein de canettes, oui, des papiers, plein de bordel, en fait. Et le chien, après, comme tu dis, si ton chien, tu l'emmènes à la plage, que tu ramasses juste avec ton petit sac ses excréments, je trouve que l'animal est beaucoup plus propre que l'humain, en fait. Hein. Oui. De toute façon, oui, c'est ça, c'est clair. C'est un Donc fait. Voilà. On part en musique quand même, parce que ouais. Romain, je le vois, il attend là-bas. Alors, Magic System, et puis, j'ai pas retenu l'autre. Ah, l'autre, je l'ai pas dit encore. Ah, donc c'est
La compagnie créole. Oh là là, ça c'est merveilleux. Ça, vous allez l'avoir dans la tête toute la journée. Allez, musique, donc, oh, moi j'attends la compagnie créole. Là. Nous, on se retrouve dans quelques minutes sur RVL. Magic System de retour la vacances. Après la pluie, le beau temps. Soleil.
chez toi et tu veux déjà repartir. Retrouver l'aventure qui n'aurait pas de fini. S'il y a du gris dans tes nuits ou des larmes dans ton cœur, la musique est là pour ça. Il y a toujours une mélodie ou des jours meilleurs. Allez, tape dans tes mains, ça porte le bonheur. C'est magique, un refrain qu'on reprend tout son cœur. Et ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles, ça chasse les nuages et fait briller le soleil. Voilà, merci Romain pour ces deux titres. Hein. On était en folie dans le studio, nous, en attendant. Alors, du coup, vous êtes bien en direct hein, sur l'émission L'Arche de Yonah, chaque samedi de 12h à 14h, pardon. Aujourd'hui, c'est la dernière émission. Il y a un peu de stress. Hein. On essaye de... Voilà, on est un peu paniqué grâce à Brandon parce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous retrouver en direct sur YouTube. Hein. Peu importe où vous vous trouvez, dans la France, dans le monde, vous partez en vacances, bah, vous allez pouvoir même nous écouter. Et ça, c'est magnifique. Brandon, comment ça se passe du coup pour l'instant le YouTube, ça fonctionne bien? Ouais, ça fonctionne bien, ça fonctionne bien. On n'a pas encore les retours, donc n'hésitez pas. Non, bah là, de toute façon, là, c'est tout frais. Après, on va pouvoir remettre tout ça en place à partir du mois de septembre. Même nous laisser un commentaire ou un message privé sur la page Facebook, là, je l'ai officielle sur Facebook, nous dire comment ça se passe, au moins pour lire vos retours. Voilà, on est toujours avec Jean-Luc, donc du coup, Jean-Luc de Cagny Émotion. Alors, on était en train de parler de l'été, la chaleur, parce que tu disais justement, on attend des grandes chaleurs. T'as pas eu la météo, non, pour les jours à venir, non? Ah non, pas encore, non. Tu le fais travailler, là, tu sais que c'est la dernière de l'émission, on est tous en vacances. On va le faire bosser un peu, à mon avis. En plus, il s'est couché tôt. Oui. Ah bah tu vois, voilà, on le connaît par cœur maintenant. Donc c'est pour ça. Alors donc oui, on disait qu'avec les grandes chaleurs, il y a des précautions à prendre pour nos animaux. C'est vrai que même là, de toute façon, il y a eu ces derniers jours, nous sur la région normande, j'ai vu, bon, on a eu des grosses chaleurs à un moment. Ouais. Il faisait très chaud, on voyait quand même beaucoup de gens qui promenaient leurs chiens en ville. Alors donc j'ai trouvé ça un peu de toute façon même pareil pour le feu d'artifice tiens. Oui, comme on en a parlé. Ouais, ça on en a parlé, t'étais pas là. On a parlé justement des feux d'artifice parce qu'il va y en avoir encore de toute façon pendant le mois d'août dans certaines régions et ça c'est pareil, le feu d'artifice, tu conseilles pareil de... C'est pareil, c'est un stress pour le chien. Donc c'est pas parce que nous on aime que le chien il aime. C'est pas parce que nous on aime bien se promener quand il fait chaud que le chien il aime bien se promener quand il fait chaud. C'est pas parce que nous on aime bien entendre du bruit que le chien aime bien entendre du bruit. On n'a pas la même conception de la vie, quoi. On expliquait aussi, après, si t'es d'accord ou pas avec nous, que pendant les feux d'artifice, c'est pareil, il y a énormément d'animaux justement qui meurent par rapport aux explosions, tout ça, crise cardiaque, des animaux qui sont en panique, comme des chevaux par exemple, qui peuvent sauter par-dessus leur enclos, se retrouvent au milieu de la route, les animaux sauvages qui peuvent sortir des bois ou peu importe, qui se retrouvent sur la route. Mmh. Et donc ça c'est pareil, c'est des choses à prendre en considération. Surtout que entendre des bruits comme ça, c'est pas commun, quoi. C'est pas naturel. Donc obligatoirement, si le chien, on va partir sur le chien évidemment. Et donc si le chien, on lui a pas appris justement à se familiariser à ces bruits-là, pour lui, ça va lui créer un stress. Et les conséquences peuvent. Puis comme tu dis, les familiariser avec ces bruits-là, c'est quand même un peu compliqué, je pense, parce que des gros bruits comme ça, par peut-être des chiens de chasseurs qui sont habitués. Après, ça se fait, mais c'est vrai qu'on n'y pense pas, parce que c'est vrai que le feu d'artifice c'est une fois par an, donc c'est vrai qu'on n'y pense pas. L'idéal, c'est de pas prendre son chien à un feu d'artifice, voilà, de laisser à la maison chez lui. À la rigueur, ce qu'il faut faire, c'est dans ces cas-là, c'est que le laisser dans la maison avec un petit fond de musique où on laisse la télé, un petit pour éviter justement qu'il stresse trop dès qu'il
entends des bruits, quoi. Tiens, justement, c'est bien que tu viennes. Sur le sujet. Par exemple, il y a beaucoup de gens. Moi, le premier, quand je pars de la maison, je laisse soit la télé, soit une radio allumée pour mes chiens. Est-ce que c'est une bonne chose à faire ou pas, ça ? Bah oui, après, oui. Après, ça dépend du chien. Il y a des chiens, moi, je prends l'exemple de mon chien, il n'en a pas besoin parce que voilà, ça ne lui crée aucun stress quand je m'en vais. Pourquoi ? Parce que je l'ai habitué. Mais le chien, s'il est un peu anxieux du départ du maître, justement, ça peut combler ça, quoi. Si le chien il a un peu peur des bruits ou quelconque, oui, ça peut l'aider aussi, quoi. Ça peut l'aider justement à voir comme si qu'il y avait une présence, quoi. Parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais quand on quitte la maison, bah, faites le test. Faites pas un bruit dans la maison, puis restez pendant plusieurs minutes, voire une demi-heure, trois quarts d'heure sans bouger, et puis attendre. Et bah, c'est stressant. Même nous, ça nous angoisserait, quoi. Ouais, c'est clair. Donc le chien, c'est pour ça qu'il faut se mettre à la place du chien. Si des fois, nous, on part au travail, on va partir 4, 5, 6 heures, voire même plus, et on va laisser le chien tout seul chez lui. Et il faut se mettre à sa place, posez-vous dans le canapé, restez pendant 8 heures dans le canapé à rien faire, sans allumer la télé, sans radio, sans rien du tout. Ben vous, à la fin de la journée, j'aimerais voir votre état de stress, quoi. Comment qu'il va être. Et il y a quelque chose aussi, tu m'en avais parlé, justement, parce que maintenant, je trouve qu'il y a de plus en plus de gens qui utilisent ça, c'est les caméras à la maison. Oui, c'est bien Il y a de plus en plus de gens qui utilisent des caméras chez eux pour surveiller, voir leurs animaux, parce que ça se fait énormément. Et moi, la dernière fois, je me rappelle, j'ai allumé la mienne, je t'avais montré, justement, et on peut, grâce au téléphone... leur parler, en fait. Et tu m'as dit, fais pas ça parce que ça peut... C'est ça. C'est qu'après, il faut habituer le chien dans ces cas-là. Il faut habituer le chien. Si on n'a pas habitué le chien, si le chien, déjà, il est stressé parce qu'il est tout seul, si on lui a pas appris à rester seul, si subitement le chien, il fait un comportement qu'on ne souhaite pas qu'il le fasse, quel qu'il soit, et ben, si on intervient au niveau de la voix, le chien, il va pas comprendre. Il va nous entendre, et il va pas nous voir. Il va nous chercher. Il va nous chercher, ça va lui créer un stress supplémentaire. Donc finalement, on va pas résoudre la problématique, ou sûrement, on va l'enfoncer encore plus dans sa problématique. Donc c'est pour ça, c'est pareil, c'est à travailler en amont, ça. On peut pas faire ça à un chien, quoi. Et lui, il va pas comprendre. C'est comme si que nous, on est dans la maison, puis subitement, on entend des voix, quoi. Et ben, ça va nous créer un stress. Ben, le chien, c'est exactement la même chose, quoi. Alors, du coup, pareil, je vais en profiter que t'es là parce que tiens, on se venge un peu vu que t'étais pas là ces derniers jours. Alors, on a parlé pareil avec Brandon et Romain ces derniers temps. Tiens, regarde lui, il va être content. Un célèbre numéro de téléphone qui est apparu il y a quelques semaines. 24 juin exactement, le 26 juin. Qui a été mis en place par le gouvernement le 36-77. Ah oui. Alors, est-ce que tu connais ce numéro ? Ça serait bête que tu nous dises non là. C'est le 36-77. 77, ça, ouais. Oui. Alors, ça, c'est le numéro. Tiens, Brandon, c'est son truc. Alors, qu'est-ce que c'est que le 36-77? Qu'est-ce que c'est que le 36-77? Alors, petite, imparté, j'ai réussi à mettre le chat en direct sur YouTube. Ah, bah, donc, tiens, si bah, voilà, gens ça, c'est. Interagir en direct avec nous, c'est possible, du coup. Mais donc, qu'est-ce que le 36-77? C'est un numéro qui a été mis en place par le gouvernement le 26 juin 2024, donc c'est très récent. C'est pour signaler les maltraitances ou les négligences animales, ce que vous voyez, que ce soit dans la rue, chez vos voisins, un peu partout en fait. Et donc ça a été un numéro qui a été mis en place gratuit, 7 jours sur 7. Il a déjà fait ses preuves, a priori. Hein. Ouais, Il a déjà eu des animaux de secourus grâce au 36-77. Alors nous, pareil, ce qu'on demande à chaque fois, c'est on dit aux gens, parce que c'est possible d'avoir des querelles de voisinage, et de pas mélanger, voilà, c'est pas parce que vous êtes en froid avec votre voisin qui lui a un animal, par exemple, qui s'en occupe, bah voilà, on va se dire, tiens, je l'aime pas, je vais le dénoncer, je vais dire qu'il s'occupe maintenant, ça c'est n'importe quoi. Par contre, un chien, par exemple, bah, avec les températures qu'il fait, qui reste en plein soleil, qui est attaché 24-24, qui fait ses besoins dans une cour où il y a plein d'excréments, il est maigre, il présente des signes de chien battu. Alors tiens, par exemple, est-ce qu'il y a des, justement, comment on va dire, c'est compliqué comme ça, mais comment on peut avoir des vrais signes en se disant, tiens, ce chien, c'est du quasiment sûr à 100% qu'il est battu. Parce que des fois, ça peut être un chien qui a la queue entre les jambes, souvent parce qu'il a peur, non ? Est-ce qu'il y a des signes comme ça ? Bien souvent, le chien qui a la queue entre les jambes, c'est un chien qui a un stress, qui est anxieux, qui est peureux. Voilà. Après, faut pas généraliser aussi la... Parce que faut prendre tout le contexte en environnemental pour vraiment savoir juste si ça vient de l'environnement, si ça vient du maître ou quoi que ce soit. Parce qu'après, ça peut venir du maître comme ça peut venir tout simplement de l'environnement parce que le maître n'a pas socialisé le chien correctement. Donc il y a tellement comme critères à prendre en ligne de compte, c'est très difficile quand on voit un chien de dire le chien il est maltraité.
Parce que ça se trouve, le chien, il n'est pas maltraité, simplement, c'est que le maître, il n'a pas fait ce qu'il fallait. Et finalement, le chien, eh bien, il fait des comportements où il va se comporter bizarrement. Mais ce n'est pas pour ça qu'il est maltraité, quoi. D'accord, donc c'est pour ça qu'il faut bien faire la part des choses. Et si je ne me trompe pas, quand on tape 3677 sur un moteur de recherche, et normalement, ils nous mettent plein de cases avec les choses à prendre en compte ou pas. C'est ça, ouais, il y a plein d'informations sur le site directement, le site internet. Déjà, 3677, c'est le premier qui apparaît quand on tape dans la recherche et on voit plein d'informations concernant le 3677. Alors voilà, nous, on n'aime pas dire que c'est de la... Mais au niveau de la maltraitance, c'est un peu compliqué parce que nous, en tant qu'éducateur canin, on arrive à cibler la maltraitance. Mais pour certaines personnes, la maltraitance, c'est pas ça. Moi, ça m'est déjà arrivé d'aller chez des clients. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai fait une petite personne âgée qui a plusieurs chiens et ces chiens, ils n'arrêtent pas d'aboyer. Et la dame, elle sait pas comment faire. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est qu'elle a pris un journal, puis dès que les chiens aboyaient, elle leur mettait une petite claque dessus, quoi, avec le journal. Puis elle me dit, j'ai reçu le problème, parce que finalement, quand je monte le journal, maintenant, les chiens, ils arrêtent d'aboyer, quoi. J'ai dit, d'accord, mais ils arrêtent d'aboyer sur le fait, mais après, ils continuent quand même. J'ai dit, oui. Donc, je dis, vous n'avez pas travaillé sur la conséquence, il faut travailler sur la cause. Donc, là, ce que vous faites, c'est vous éteignez le chien. Est-ce qu'on a résolu le problème? Non, parce que vous me dites qu'il continue. Elle me dit, ouais, mais j'ai pas d'autre solution. Elle me dit, pour vous, est-ce que c'est mal ou pas? La dame, elle savait même pas si c'était mal ou pas de faire ça. Alors, je dis, évidemment, parce que cette personne-là n'est pas consciente. Elle, ce qu'elle veut, c'est résoudre le problème parce qu'elle veut pas embêter ses voisins. Et puis, elle voit que finalement, en montrant le journal, finalement, ça calme les chiens. Mais je dis, quelque part, vous ne résolvez pas le problème. Au contraire, vous le compliquez un peu plus. Pourquoi? Parce que le chien, il est stressé. Il est stressé d'entendre du bruit, donc il aboie. Et le fait de recevoir des coups de journaux ou de montrer le journal, on crée un stress supplémentaire. Donc finalement, on ne résout pas le problème. Au contraire, on l'enfonce encore plus, quoi. D'accord. Alors, du coup, j'allais revenir sur... on va demander, voilà, on a peut-être notre premier invité. Ce que je vous propose, c'est de se mettre un petit titre rapidement, le temps de la prendre au téléphone. Et puis, on se retrouve là, d'ici moins de 3-4 minutes sur RVL. C'est bon pour toi, Romain? C'est bon pour moi, oui. Bon, on s'écoute quoi, alors, là, tout de suite? Alors, ça serait les Gibson Brothers avec Kuba. Eh ben, tes souhaits, tout de suite, Kuba. Les Gibson Brothers, hein. C'est un groupe d'où, ça? Je sais plus. Tiens, années 70. Voilà, à Brandon. Ouais, j'ai un petit commentaire. Salut à vous, l'Arche de Yona sur YouTube. C'est Vince qui nous envoie ça. Merci à toi. On remercie. Merci Vince. À lui. Voilà. Allez, on écoute une petite pause musicale rapide et aussitôt après, on va partir. Normalement, c'est Amandine, c'est ça qui est au téléphone. C'est on ça. Va partir avec Amandine qui va nous parler cheval. On dit cheval, ouais, un cheval des chevaux. Cheval. Voilà. Donc, si vous aimez les chevaux, ça va être le moment. À tout de suite sur RVL.
Voilà, Kuba, j'avais pas pensé que c'était ça comme titre. Eh ben oui, c'est ça. Bah c'est bien, c'est un très bon titre. Alors voilà, je vais faire une toute petite parenthèse avant de prendre Amandine au téléphone. On reçoit, bah déjà merci à vous tous hein, d'être présents, de partager un maximum. C'est vraiment sympa de votre part. On reçoit quelques messages. Alors si vous pouvez être des moments un peu plus précis, on a reçu un message par exemple de Viviane qui nous demande pourquoi son chien fait ses besoins sur le canapé alors qu'elle est propre. Donc hein, Jean-Luc, t'aurais besoin d'un peu plus d'informations pour essayer d'avoir à peu près une réponse à peu près. Oui, bah, moi il faut que je sache exactement pourquoi le chien il fait ça. Qu'est-ce que, parce que si le chien fait un comportement comme ça, c'est dû à un stress, c'est dû à quelque chose qui a pas été bien mis en place ou qui a été quelque chose qui manque au niveau de son éducation. Alors déjà, la première chose qu'on peut mettre en place déjà, c'est peut-être lui interdire le canapé. Est-ce qu'il a le droit d'aller sur le canapé ou pas, ou ça, j'en sais rien, quoi. Donc, il y a plein de choses qu'il faut que je sache. Moi, il faut que je sache les antécédents, qu'est-ce qui a été mis en place au niveau de l'éducation. Voilà, il y a plein de critères, quoi. Et donc, répondre comme ça, c'est compliqué. Après, voilà, personne, si après, elle peut contacter la radio, et ils peuvent avoir mon numéro de téléphone, et puis moi, je peux les appeler, ou voilà, on peut toujours... Voilà, il y a pas de problème. Parce que ça sera beaucoup plus simple d'expliquer comme ça que d'expliquer comme ça. Parce que là, moi, j'ai aucune donnée, quoi. J'ai rien, quoi. Le chien fait ses besoins sur le canapé, oui, d'accord. Mais il y a plein de choses qui font que le chien. Donc, première chose, déjà, vu que je connais pas le chien, je dirais déjà lui interdire le canapé. Pour commencer. Ouais, puis après, comme tu dis, il y a peut-être eu des choses qui sont. Est-ce qu'il faisait avant, est-ce qu'il faisait pas avant. Il y a peut-être eu des choses nouvelles. Il y a eu des erreurs quelque part. Obligatoirement, parce que le chien ne fait rien sans rien. S'il fait quelque chose, c'est que il y a une raison, un changement de comportement. Voilà, c'est ça. Il y a un stress quelconque, n'importe quoi. Donc moi, tant que j'ai pas plus d'informations, je pourrais pas en donner plus, quoi. D'accord. Bon bah voilà. Alors nous, du coup, il est temps pour nous de prendre notre invité au téléphone. Elle nous appelle d'Aquitaine. Elle s'appelle Amandine. Bonjour Amandine. Bonjour à tous. Comment ça va, Amandine? Eh bien, très bien. Très, très bien. Quel temps fait-il en Aquitaine? Très chaud. Très, très chaud. Et je vous entendais justement parler de cette histoire de canicule et d'animaux en plein cagnard et tout ça. Effectivement, il est nécessaire de les mettre au frais et de faire en sorte qu'ils soient dans des endroits à l'ombre. Donc, bon, moi, ici, particulièrement dans les écuries où je suis et que j'ai construit, les plus âgés ont des brumisateurs sous abri. Et après, ils ont effectivement des bois ou des arbres ou des endroits pour vraiment se mettre au frais. Et c'est très important pour eux aussi. C'est vrai que c'est pour ça qu'on voit régulièrement, dans plusieurs villes, où ce que on essaie de replanter des arbres. Il y a des arbres qui ont été enlevés d'un peu partout, hein, parce que maintenant on construit des routes, on construit des centres commerciaux, on construit des HLM, mais on arrache des arbres à cause de ça justement. Et là, on s'aperçoit que les arbres, déjà d'une, ça nous protège de la chaleur, ça apporte beaucoup de choses. Et donc les animaux sont les premiers à en souffrir, je pense aussi. Bah, on a eu le cas aussi, par exemple, récemment, là, avec des inondations. Aussi. Ça pouvait été gâté, nous, c'est clair. Bon, voilà, nous, on a un système de drainage qui fonctionne bien, donc ça se passe bien. Mais oui, il y a eu des gros dégâts sur certains refuges ici dans le coin où les chiens de fourrière, là, ici, dans la région, étaient le ventre dans l'eau. Il n'y avait plus du tout moyen de les mettre hors d'eau, donc ils ont été placés en famille d'urgence en attendant que tout s'évacue, parce que c'était inondé de chez inondé. Ouais. Le Vrax a pris cher. Alors Amandine, avant de parler de toi, j'ai une toute petite question. Est-ce que dans ta région, justement, en Aquitaine, il y a beaucoup d'endroits, par exemple, on peut venir avec ses animaux en vacances? Est-ce qu'il y a des lieux pour les promener ou est-ce que c'est assez restreint par là-bas? Non, c'est plutôt libre. Hein. On n'a pas de plage déjà, hein, donc les restrictions plage, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'endroit particulièrement interdit aux animaux. La plupart, on va conseiller la laisse particulièrement. Maintenant, ici, on est dans des endroits très, très nature, et donc il y a énormément de GR, donc de grandes randonnées, de petites randonnées, où il n'y a pas d'interdiction par rapport à ça.
D'accord. Alors bon, bah du coup, on va venir sur le sujet principal, donc le tien, Amandine. T'es, comment on dit, directrice, présidente du refuge Cheval Nature en Aquitaine. Voilà, fondatrice et présidente, effectivement. J'ai créé ce refuge il y a 7 ans, suite à ma création d'entreprise et d'écurie en tant qu'enseignante. Et j'ai le domaine de Rivalet, donc que j'ai créé en 2010. Et donc, j'ai accueilli énormément de chevaux à des comportements dits difficiles, dangereux, incompris pour moi, à mes yeux, et aussi à pathologies particulières. Et donc, au bout de quelques années, 7 ans après, j'ai pris la décision de fonder ce refuge parce que j'ai eu énormément d'abandons de pensionnaires sur place. Des gens qui laissent tomber, qui n'ont plus les moyens, qui ne peuvent plus assumer leurs animaux et qui disparaissent. Mais justement, oui, comme disait Jean-Luc, il dit un peu comme les chiens, mais un chien, malheureusement, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui s'en débarrassent devant des refuges quand c'est pas en pleine forêt ou attaché à un poteau. Et pour les chevaux, ça se peut, comment justement les gens abandonnent un cheval? Ils abandonnent leurs animaux dans les écuries ou dans les prairies et c'est un peu moins visible, je dirais, parce qu'un cheval dans une prairie, bon... Oui, il n'y a rien de plus normal, en fait. Voilà, et on ne s'aperçoit pas si on ne s'approche pas, si on ne vérifie pas s'il y a de l'eau, s'il y a un abri, si les soins des pieds sont faits, si les soins généraux... Enfin, on voit très vite un cheval qui est en mauvais état. Enfin, moi, en tant que professionnelle, je le vois tout de suite, forcément. Mais même de loin, je dirais, on peut le voir se déplacer boiteux ou... amaigri ou avec un poil ou une crinière qui n'est pas du tout entretenue. On peut voir très vite les signes d'abandon dans un pré. Les chevaux souvent ont des pieds qui poussent comme nos ongles, hein. Donc ouais, c'est les sabots, c'est ça, ce signal qui déclenche effectivement le 3677 quand on a des animaux numéro à prendre la bouche de 10 km. Voilà, et je suis très heureuse que ce numéro existe parce qu'aujourd'hui ça nous soulage aussi. Parce que des signalements, voilà, avant que je décide effectivement d'arrêter d'accueillir, et aujourd'hui je ne peux plus me permettre de le faire puisque financièrement je n'arrive plus à suivre le débord de tout ça. On a une liste d'attente de 1000 chevaux. Ah oui, c'est énorme. C'est interminable. Juste dans ta région ou autour? Non, c'est national. Enfin, 1000 chevaux quand même, oui. Ouais. C'est national. On est appelé de partout en France. Et même dans les frontières limitrophes. Donc c'est très très compliqué. Et aujourd'hui j'ai pris la décision d'arrêter puisque j'ai fait vraiment un gros burn-out concernant la prise en charge de tous ces animaux et les saisies, hein, parce que là c'est des cas de saisies judiciaires, des saisies de maltraitance avérée. Étant spécialisé dans le comportement, il faut réussir aussi à approcher ces animaux qui restent des proies et qui sont très très fuyants, des fois très dangereux parce qu'ils ont très peur. Et il faut trouver les bonnes personnes aussi pour aborder les choses dans le bon sens. Et ça, c'est pas évident. Et donc, c'est ma spécialité. Donc, forcément, je suis très sollicitée pour ça. Voilà. Et donc, aujourd'hui, après avoir fait 7 ans avec le refuge en plus de mes écuries, je vous avoue qu'il a fallu que je fasse un choix financier parce que bon, malheureusement le refuge ne vit pas d'amour et d'eau fraîche comme vous le savez. Ça coûte très cher d'entretenir un cheval, encore plus qu'un chien ou un chat, je dirais, et encore des fois bon, on ne se rend même pas compte que même un chien et un chat ça coûte déjà un petit peu de sous quand même. Et en fait les gens s'engagent comme ça sur un coup de tête pour faire plaisir à l'enfant, faire plaisir, ou se dit bon, j'ai un bout de terrain, donc je vais le prendre, et puis je l'ai trouvé, on me le donne. Bah oui, je vais le prendre, et puis en fait, je me rends compte que je n'ai pas de connaissances, je ne sais même pas quelle est la base de son alimentation, je ne sais même pas quelle est la base de son hébergement, de son environnement, comment le gérer, comment le soigner, et aujourd'hui, on se retrouve avec des chevaux complètement abandonnés, voués à eux-mêmes, dans les prairies. Et malheureusement, ben voilà, aujourd'hui, il y en a tellement partout que il n'y a plus de place nulle part dans les refuges. Et les refuges chevaux sont pas
Il n'y en a pas énormément en France. Ben non, et le problème, c'est justement, c'est si des refuges, des associations comme la tienne ferment parce qu'ils n'ont pas assez d'argent, le problème, c'est il va revenir sur l'État un moment ou un autre. Parce que si, admettons, tous les refuges fermés en France... C'est ce qui va se passer un jour ou l'autre. Ça va être l'euthanasie. Malheureusement. Ah ouais, mais ça serait une euthanasie de masse, là, parce que l'État va pas se prendre la tête avec tous les animaux, en fait. C'est ce qui est malheureux, quoi. Pour les chiens et les chats, malheureusement. Mais bien sûr. Et on en arrive à ça. Pour les chevaux, les gens sont très étonnés, mais moi, aujourd'hui, si je ferme, c'est pour éviter ça. Je ne veux pas faire euthanasier mes animaux parce que je n'ai plus les moyens de les assumer. Et justement, alors, comment tu vas faire avec tous tes animaux que tu as actuellement? Alors, aujourd'hui... quand j'ai pris cette décision, déjà les derniers que j'ai accueillis, c'était en février 2023, donc deux frères et sœurs qui se reproduisaient entre eux, la jument cadavérique, ils étaient bourrés de poux, la jument avait une jambe ouverte jusqu'à l'os, tout scalpé. Bref, c'est un cas particulier que j'ai aujourd'hui, ils se portent très très bien, ils ont tous les deux guéris, le mâle on l'a castré, on a arrêté le délire de la consanguinité, etc. Parce que ça aussi c'est un gros problème, un gros fléau. Aujourd'hui j'ai dit stop à la tête depuis février 2023 et j'ai dit stop aux appels, signalements et suivi de dossier depuis 2-3 mois. Et en fait le but c'est de trouver donc un adoptant par cheval, donc il en reste 14, aujourd'hui il en reste 9. Des gens se prend en charge un cheval du refuge et prend vraiment le côté financier, donc paye une pension au domaine, donc à mes écuries, et je continue, moi, en tant que professionnelle, à accompagner ces chevaux, les soigner, les nourrir, et l'idée, c'est de trouver vraiment une personne par cheval pour que ces chevaux soient pris en charge jusqu'à la fin de leur vie. Tiens, moi j'ai une question à te poser, Amandine, là, parce qu'on parle de chevaux justement. Toi en tant que professionnel du cheval, qu'est-ce que tu penses? Non, du cheval ou du cheval. Oui, cheval, ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu penses par exemple des. Tu vois, on voit souvent dans différentes régions des écuries qui proposent, tu sais, des fois dans les forêts comme nous on a chez nous, ou dans des coins aux enfants par exemple de faire des tours de poney ou de chevaux. Parle de la sauvagette aussi qui font ça à Longtemps. Juste à côté de chez nous. Elles font si. Mais oui, justement, est-ce que tu penses que ça, c'est une bonne chose ou c'est... Maltraitance. Le monde équestre, ça, c'est tout un débat. On peut même en amener à parler de ce qui va se passer là aujourd'hui et demain, hein, les JO équestres. C'est un sujet large. Et aujourd'hui, le cheval n'est pas un animal considéré comme un animal de compagnie. Donc le cheval peut être utilisé à toutes les sauces. C'est un animal de rente. C'est un animal qui est là pour faire gagner de l'argent. C'est un animal d'élevage. C'est un animal qu'on mange. C'est un animal aujourd'hui qui est considéré comme un athlète. Donc si vous voulez, tout ça, moi personnellement, dans mon évolution professionnelle, effectivement je suis contre. Parce que c'est inculqué aussi à l'humain de profiter de cet animal en posant son cul dessus, en faisant de la mobilette, excusez-moi du terme. Mais on n'inculque pas à l'enfant de soigner, d'accompagner, de comprendre, d'apprendre ce que c'est que vivre avec un cheval. Donc moi, je ne suis pas pour tout ça, effectivement. Maintenant, j'ai démarré comme tout le monde aussi, hein, et j'ai eu fait ça, tout ce système-là aussi. Et j'ai compris une chose, c'est que mes animaux, ils subissaient. Et donc, aujourd'hui, j'ai décidé de le transformer en formation, donc l'organisme de formation. Avant, j'étais centre équestre. Hein. Donc, tout ça, c'est d'expérience. En tant qu'enseignante et en ayant travaillé dans des centres équestres où on avait 80 gamins pendant l'été, parce qu'on était centre de loisirs, et que les poneys tournaient en rond tout l'été. Oui, c'est ça, justement. Avec 17 poneys dans le manège à tourner en rond bêtement, sans forcément... avoir une interaction avec l'être humain, ben tout ça, moi, je le veux plus. C'est terminé. Enfin, chez moi, ça n'existe plus, tout ça. D'accord. Alors moi, cet avenir, oui, l'avenir de l'équitation en soi évolue là-dessus, ça, c'est certain. Alors justement, ton centre de formation qui est ouvert, il va consister en quoi, en fait? Alors, il consiste à former les humains à devenir les meilleurs pour les animaux. Donc que ça soit autant dans le soin, dans l'éthologie, donc l'étude du comportement de cet animal dans son milieu naturel,
On va appliquer la science, on va apprendre cette science pour pouvoir s'adapter à cet animal et à respecter ses besoins fondamentaux avant de parler d'équitation. Donc on va parler vraiment dans le cursus de l'équitation française, on appelle ça l'équitation éthologique. Et l'équitation éthologique, la Fédération française d'équitation a mis en place des savoirs éthologiques où il y a 5 niveaux. Et donc ces niveaux, moi en tant qu'enseignante, c'est brevet fédéral d'équitation éthologique niveau 1 et 2, je peux valider ces diplômes. Et donc le 1 et 2 se développent à pied avec le cheval, le 3 à cheval, le 4 à pied et le 5 à cheval. Et on vise la liberté. Ce qui devrait être fait aussi pour, je pense, pour beaucoup d'animaux, par exemple. Ça serait peut-être pas pareil, hein, Jean-Luc, mais par exemple pour les chiens, tout simplement, avant d'avoir un chien, on devrait apprendre aux gens justement ce qui va. En gros, il faudrait presque, pour tout animal qu'on veut avoir, il faudrait presque un permis. Exactement. Parce que finalement, quand les chiens, tout à l'heure, on parlait justement du cheval, que les gens, ils prenaient des chevaux, tout ça, et puis qu'ils ne connaissaient pas les besoins du cheval. Donc et après, bah, évidemment, ils tombent des nues, et puis c'est là qu'ils s'en séparent. Et c'est comme pour les chiens. C'est le même principe. Mmh. Les gens veulent un chien parce que c'est mignon, c'est tout joli, quand c'est tout mimi, quand c'est petit, tout ça. Mais ils ne comprennent pas que les chiens, et c'est comme nous, les humains, on a ils ont des besoins comme nous. Et si on ne respecte pas ces besoins, c'est là qu'on va créer des troubles. Et puis, quand il y a des troubles, les maîtres... y a des choses à mettre en place et comme c'est compliqué, les maîtres, ils ont pas envie de se prendre la tête. La chose la plus simple, c'est le refuge, quoi. Exactement, et les gens n'ont pas envie de se former. C'est ça. Moi, en tant que refuge, j'ai placé des chevaux, on en a sauvé une centaine, donc il y a évidemment des adoptants qui ont pris des chevaux que j'ai récupérés, remis en état et je replace. Après, c'était le principe du refuge, hein, de pas tous les garder, de faire tourner un peu et de libérer de la place. Et effectivement, j'ai imposé, avant l'adoption, une formation. Et ça a freiné, mais beaucoup, les adoptions, parce que les gens ne veulent pas. Ils savent. Oui, mais c'est une bonne chose aussi, là, que tu as fait, justement. Exact. Et du coup, je suis très contente, parce que tous ces gens qui se sont donnés à peine de le faire, aujourd'hui, je suis consciente que les animaux sont en sécurité. Et moi, ça me rappelle justement une histoire que Jean-Luc, c'est toi qui me l'avais expliqué. Je sais pas si je pense que tu t'en rappelles. C'était le cas justement avec un chien. Tu avais croisé une petite dame qui avait adopté un chien. Oui. Et tu m'avais dit que c'était un chien, en gros, qu'on lui a donné, enfin, le refuge lui avait donné comme ça, en gros, sans lui expliquer, sans formation ni rien, s'est retrouvé dépourvu et puis de. Il y en a beaucoup, hein, même chevaux, hein. Bien souvent, alors bon, je dénigre pas les SPA, les choses comme ça, quoi. Mais simplement, c'est que je trouve que ils donnent ça trop facilement à des personnes sans connaissance. Et cette dame-là, justement, que j'ai rencontrée, j'ai vu qu'elle était en pleine panique et on a un peu discuté. Et puis là, je lui dis, mais non, on pouvait pas rester comme ça. Et je dis, oui, mais le refuge m'a dit, il faut attendre 2-3 mois avant de mettre des choses en place. Je dis, non, c'est pas 2-3 mois, c'est tout de suite qu'il faut mettre les choses en place. Ah oui. Oh oui. Et parce que justement le chien justement il se conforte dans son comportement puis au contraire ça sera de pire en pire quoi. Et c'est pour ça que je trouve que c'est bien de donner des chiens à d'autres personnes seulement pour se libérer des refuges, tout ça c'est très bien, mais le problème c'est qu'on peut pas les donner à n'importe qui. Parce que bien souvent les refuges, ils sont tellement débordés, après je conçois, c'est tout à fait normal, mais ils sont tellement débordés que finalement le premier qui va venir, on va lui donner le chien quoi. Et ça m'est déjà arrivé j'ai travaillé avec le refuge des Trotta aussi une fois. Il y avait une cliente, une personne qui voulait un chien et moi, par rapport à mon recul, je me suis aperçu que ces gens-là n'étaient pas aptes à pouvoir subvenir aux besoins de ce chien-là. Et donc, j'ai dit au refuge, j'ai dit non, il ne faut pas donner ce chien-là à cette personne-là parce qu'ils ne vont pas y arriver et ça va être un retour au casse-départ, quoi. Donc finalement, l'adoption, ce n'est pas fait. Alors, je sais que c'est malheureux pour le chien, mais vaut mieux, à la rigueur, ne pas faire l'adoption qu'il change 3-4 fois de famille ou qu'il soit abandonné à nouveau. Et voilà. Et parce qu'au contraire... C'est une expérience vécue, moi, avec les chevaux. Au début, quand j'ai démarré et que je n'imposais pas la formation, il y a eu des retours et des retours et des retours. Et c'est pour ça que j'ai renforcé les choses. Parce que c'est courant. C'est courant. Les gens font ça sur un coup de tête. C'est ça, bien sûr. Oui. Amandine, j'aurais une petite question parce que là, on est en période estivale, les gens se promènent beaucoup, on va beaucoup dans les campagnes, on se promène énormément. Est-ce que
Bon, toi, en tant que professionnel, comme tu nous l'as dit, tu reconnais un cheval qui est maltraité ou qui a des besoins, tu le reconnais aussitôt. Pour des gens comme nous, on ne connaît pas du tout, est-ce qu'il y a un signe ou deux qui peuvent nous attirer, qu'on peut se dire, attention, ce cheval, il a peut-être un problème, je vais peut-être le signaler au 36-77. L'état physique de l'animal, tout dépend de son âge, bien évidemment, on ne va pas pointer du doigt tout de suite. Les vieux chevaux sont pas en état comme les jeunes chevaux. Hein, d'accord ? On a des chevaux qui sont effectivement démusclés au niveau du dos, donc une apparence de maigreur qui ne l'est pas forcément, puisque musculairement parlant, le vieil animal va, comme le chien hein, d'ailleurs, perdre toute sa masse musculaire. Donc on doit d'abord effectivement être plutôt dans la bonne conciliation. Si jamais vous voyez un cheval amaigri, d'essayer de voir et prendre contact avec la personne qui serait aux alentours et qui pourrait être susceptible d'être le propriétaire pour leur demander déjà l'âge de l'animal. Vérifier effectivement si il a de l'herbe dans son parc ou si c'est tout rasé complètement. Essayer de chercher le point de nourriture foin, s'il y en a ou pas, et vérifier aussi si vous voyez l'accès à l'eau. Déjà pour commencer. Si vous ne voyez rien, il ne faut pas faire de voilà, l'idée c'est pas d'aller faire des dénonciations sans avoir les bonnes intentions. Oui, voilà, bah c'est pour ça que... Oui. C'est pour ça qu'il faut entrer en contact avec les gens si vous avez des doutes. Et c'est pareil, il y a aussi au niveau des sabots aussi, je pense. Oui, voilà. Alors on peut avoir effectivement des chevaux avec des sabots un peu cassés. Bon, si c'est cassé, c'est que c'est peut-être pas forcément entretenu nickel, mais en tout cas, c'est naturel pour le cheval d'avoir un pied qui casse de temps en temps, surtout en ce moment avec cette sécheresse qu'il y a actuellement, les pieds cassent très rapidement. Mais par contre, si vous voyez effectivement des chevaux avec des sabots qui remontent en babouche, là, ça, c'est du signalement, effectivement. On voit un animal qui est plutôt statique. Il faut l'observer sur plusieurs jours, en fait. Il faut réussir, normalement il faudrait une semaine d'observation avant de faire un signalement. D'accord, donc bon, bah, voilà, c'est des petits conseils, mais qui peuvent, voilà, comme c'est vrai qu'on se promène beaucoup dans voilà. Les campagnes, tout ça, donc ça peut, voilà, on peut, ça veut dire, ouais, voilà, vous voyez un cheval ou des chevaux, rien coûte d'aller les voir, de jeter un petit œil comme ça, malgré tout, voilà. Puis voilà, ça peut sauver Par aussi contre, une bête. Le seul truc que vous n'avez pas le droit de faire, c'est de rentrer sur la propriété. Bien sûr. Ouais. Beaucoup de gens le font. Et ça, c'est interdit. Et on voit aussi souvent qu'a priori, enfin, ou je ne sais pas si c'est une idée reçue, il paraît que ce n'est pas bon de donner du pain à un cheval. Exact, oui, tout à fait. Ah, bah ça, c'est bien de noter hein. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui le font, d'aller avec les enfants avec des sacs de pain dur. Oui. Moi, je prends toujours l'exemple de dire est-ce que les gens ont l'instinct de donner un bout de viande à travers un jardin pour un chien? Non. En général, on voit le chien, on passe, mais on ne va pas tendre la main pour lui faire une caresse ou lui donner une carotte. Le truc avec le cheval, effectivement, ça devient récurrent et dangereux parce que ça peut amener l'animal à la mort, hein, faut le savoir. Le pain est très mauvais déjà au niveau céréal, c'est très mauvais hein, pour le cheval et même pour toutes sortes d'animaux, je dirais, en tant que naturopathe et... accompagnatrice de soins holistiques pour toutes sortes d'animaux, je peux vous confirmer que les céréales en général ne sont pas forcément conseillées par rapport à la digestion. Le cheval ne digère pas le blé, il faut le savoir. Et ensuite, il peut créer effectivement des bouchons œsophagiens. Le cheval ne peut pas vomir. Donc, si c'est bloqué, bah, il s'étouffe et il en meurt. Ou alors, on peut provoquer également une colique. Donc la colique, c'est... un bouchon intestinal qui se provoque dans les intestins et qui peut créer une torsion intestinale et amener le cheval à la mort aussi également. Un cheval est très sensible au niveau alimentaire et donc effectivement donner du pain peut tuer un cheval. Non mais je pense que ça c'est une bonne chose justement de le dire parce que moi honnêtement même en étant plus petit je crois que j'ai déjà donné à manger du pain à des chevaux quand on se promenait, tout le monde l'a fait en vrai. Mais... C'est nos grands-parents qui nous ont inculqué ça, oui. Bah oui. Oui, c'est ça, effectivement. Romain, il dit non, lui, le menteur. Non, mais je crois qu'on a le même problème aussi avec les canards. Oui, tout c'est ça, ça oui, c'est ça. J'allais en parler, justement. Bien souvent, on voit beaucoup les canards ou même les pigeons.
Oui. On, voilà, tous les animaux, finalement, on croit que c'est bon, mais non, c'est justement... En fait, c'est pas bon de leur donner du pain. Ouais. Donner du pain à votre chien, un quignon de pain, c'est très mauvais aussi. Ouais, moi, je leur donne pas. C'est vrai qu'on leur donne pas de pain, donc... Toi, t'as déjà dû le faire, toi. Non, pas à ma chienne, mais aux oiseaux, oui, effectivement. Voilà. Les oiseaux, récurrents. C'était alors, récurrent. Des miettes, mais aujourd'hui, y a des petites boules, vous savez, les boules... avec un peu de mélasse, etc., que vous pouvez donner à des oiseaux, vous posez ça, ils vont se servir. Mais faites attention aux filets aussi, parce que les filets, ça les coince des fois, ils se coincent avec leurs pattes dedans. Et puis, alors moi, ça, je l'ai déjà fait, mais je coupe le filet, justement, et puis je les mets en miettes, et puis je le jette. Exactement. C'est bien, Michael. Et puis après, aussi, une chose qui est bien, c'est de leur mettre, quand il fait chaud, de mettre des petites coupoles ou des petits trucs d'eau dans le jardin. Voilà, moi, je suis pour ça. Mais donner à manger à des animaux sauvages, ce n'est pas correct non plus. Ben non, parce qu'il faut leur apprendre à se gérer tout seul, quoi. Parce que si après on leur donne tout le temps de la nourriture, le chien il va perdre l'animal va perdre la faculté justement à chercher la nourriture. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça va les perturber. Souvent dans les grandes villes, on voit les animaux sur la table, sur les restos. Mais bien sûr. Bien parce sûr, que c'est facile pour eux. Mais bien sûr. Ils n'ont pas besoin de chercher. Ben c'est ça, c'est exactement ça, quoi. Ils perdent leur instinct justement de chasse, quoi. Exactement. Donc eux, ils vont. Je suis ok, mais moi personnellement, je ne donne rien. Oui, parce que l'eau c'est vital. L'eau c'est vital, il y en a besoin, quoi. C'est ça. Mais comme la nourriture, l'année dernière, il y a deux ans, il y a eu des feux de forêt dans ma région. Les gens trouvaient bien de donner à manger aux animaux sauvages. Non, mais je pense que les gens, en fait, les gens le font de bon cœur, en fait. Mais bien sûr, bien sûr. Oui, c'est ça, oui. C'est exactement ça, oui. Amandine, moi, je te remercie beaucoup parce que du coup, on va avoir une autre invitée aussitôt derrière toi. Est-ce qu'on peut donner, par exemple, je sais pas, est-ce que tu as envie de donner ta page, par exemple, ta page Facebook, quelque chose? Oui, vous me trouvez en tapant donc Amandine Sopetti sur Internet ou le domaine de Rivalet, c'est l'écurie. Le refuge Cheval Nature en Aquitaine, vous trouvez aussi des informations et le lien aussi pour faire des dons si vous souhaitez aider le refuge, parce qu'on a toujours besoin, même si aujourd'hui les portes sont fermées au public, entre guillemets, et à l'accueil, le refuge reste vivant pour continuer à faire vivre les derniers qui nous restent ici. Et en tant que professionnel, je propose de la formation également, et donc oui, vous me trouvez très facilement sur les réseaux sociaux, et grâce à la page de L'Arche de Yona, vous allez avoir les infos aussi. Tu m'as identifié dessus, il me semble, Michael. Oui, donc, oui, je t'ai. Ouais. Vous allez me trouver très facilement. En tout cas, je te remercie pour ce que tu fais pour les chevaux. C'est du beau travail. Moi, ce que je te propose, c'est que tu n'hésites pas à revenir vers nous à partir de la rentrée quand tu veux. Ouais. Tu as le numéro, donc si tu peux venir nous tenir au courant un peu. Et puis, quand tu as de l'actualité par rapport à ton centre de formation ou des conseils à nous donner sur les chevaux aussi, c'est toujours bon à prendre. Après, on peut aussi, en fonction des questions qu'il pourrait y avoir éventuellement, je ne sais pas, je ne vois pas de chat. Enfin, là, je ne sais pas s'il y a eu des questions, comme je n'ai pas la visibilité du chat. Mais en tout cas, si jamais il y a des gens qui posent des questions, effectivement, oui, pourquoi pas relancer le sujet avec grand plaisir. D'accord. Est-ce que t'as peut-être un petit coucou à faire, non? Coucou à tous ceux qui m'écoutent. Hein. Merci en tout cas à tous. Prenez soin de vos animaux. Soyez conscients qu'ils ont besoin de vous, mais pas non plus dans l'excès. Et que soyez les meilleurs pour ces animaux et formez-vous. Merci beaucoup, Amandine. On te souhaite aussi à toi beaucoup de bonnes choses, de bonnes vacances. Oui, vous aussi. Merci en tout cas pour l'invitation, Michael. Et puis, ravi d'avoir fait partie. Je vais juste te faire une petite parenthèse. Moi, je vais remercier Steve de m'avoir, t'avoir proposé à moi parce qu'il a fait du très bon travail. Steve, je pense qu'on l'aura à partir de la rentrée. À un moment, on va vous faire aussi le prendre au téléphone parce que c'est une très bonne personne aussi qui fait énormément de choses pour les animaux. Il fait partie effectivement des personnes en bénévolat numérique qui s'acharnent pour nous et il est incroyable. Il nous écoute, je sais qu'il est là. Et oui, tu as raison, remercions-le parce que c'est grâce à lui qu'on se connaît aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup. Je refais une petite parenthèse, c'est très bien que tu sois venu parce que justement, ça ouvre les yeux sur au niveau du monde du cheval. Parce que c'est vrai qu'on parle toujours du chien, du chat. Qui sont abandonnés, mais le cheval, tout ça, non, ça passe au-dessus. On pense pas, en fait, c'est ça. Ouais. Donc, je trouve que c'est très bien, justement, ce que Michael, que tu as invité, puis que tu sois venu et que tu as répondu à toutes ces questions. Ça ouvre les yeux à nous, même moi, en tant qu'éducateur canin, je pensais pas qu'il y avait autant de souffrances comme ça au niveau du cheval. Quoi. Non, mais on pourrait éventuellement. Je savais qu'il y en avait, mais pas ce point-là. Quoi. On pourrait faire éventuellement, à partir de la rentrée, un jour, ce qu'elle est une émission spéciale cheval, ça pourrait être aussi sympa. Avec grand plaisir. Bien sûr, mais il faut.
pour faire avancer le, la cause. Et l'interaction avec les gens, avec grand plaisir. Bah voilà, bon bah on se prendra rendez-vous, Amandine, et puis bah on va se caler ça, une petite émission spéciale cheval. Mais bravo en tout cas pour votre initiative, moi je suis très contente de participer à ce genre d'émission, c'est très intéressant et c'est très important en tout cas pour la sensibilisation des gens. Et merci et à très bientôt et bonnes vacances à tout le monde. Merci beaucoup, merci. Allez à merci bientôt. Beaucoup, merci beaucoup. À bientôt Amandine. Merci, au revoir à tous. Au revoir. Voilà donc, c'était sympa non? Oui, très bien. Bonne personne, voilà aussi. Ouais, et c'est vrai que, comme disait Jean-Luc, c'est vrai que le cheval, c'est vrai que nous, on a tendance à passer, on les voit, c'est des belles bêtes, on pense pas à la maltraitance aussitôt, de toute façon. C'est vrai, tout à l'heure, on en a un petit peu parlé, mais c'est vrai que je pensais pas que c'était à ce point-là quand même, quoi. Qu'il y avait autant de maltraitance au niveau du cheval, quoi. Donc, ouais, parce que c'est quand même, le cheval, on parle plutôt que c'est plutôt un animal noble. C'est vrai, ouais. Tu vois, c'est pas comme une vache, quoi. Non mais c'est vrai ce qu'elle a expliqué en disant que le cheval on monte dessus voilà. Et lui il donne pas son avis en fait c'est vrai qu'un cheval là, on a l'image j'ai l'image d'un cheval heureux, c'est un cheval comme à l'époque, tu sais, des cow-boys et des indiens, parce qu'on les voyait galoper dans les prairies. Tiens, le cheval de Yakari, au lieu, tu vas pas connaître ça, Yakari. Alors j'ai déjà regardé s'il te plaît. Ah bon, bah, voilà. Donc voilà, non mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'un cheval on lui donne pas le choix, on lui monte dessus puis hop et voilà, c'est... Mais tu sais on parle du cheval mais quand tu regardes bien dans le monde, tu vas dans certains pays asiatiques où que tu as l'éléphant. Oui aussi ouais. Bah, l'éléphant on monte dessus, il est enchaîné, il est maltraité quoi. Et ah, y a plein touriste, on va dessus. Et bah à ce moment-là, on peut prendre l'exemple aussi. Alors après, il y aura des gens qui seront pas. Oui, le chameau, par exemple, les chameaux. À savoir que ça, c'est pareil. Il y a des courses de chameaux comment on dit? J'ai perdu mon mot. Enfin, il y a des courses de chameaux qui existent et il y a beaucoup de chameaux qui meurent, qui sont blessés, qu'on laisse mourir comme ça. Donc ça, c'est pareil. Il y a énormément de choses. Et à ce moment-là, bon, après, on va aller loin, oui, ben, mais il y a plein d'animaux dans des parcs, dans des choses. Oui, bien sûr, et puis voilà. À côté de ça, il y a aussi des hommes qui, grâce à certains refuges, à des parcs, ont pu sauver aussi des animaux. Donc voilà, je vous propose de partir en musique. Tiens, on va se faire. Qu'est-ce qu'il nous a proposé là? Bah, je te propose de partir en vacances du côté de Tahiti. Ah, bah ça, on sait c'est qui, c'est Kinvé. Exactement. Kinvé qui est rouennais. Exactement aussi, oui. C'est ça. Bon bah voilà, c'est la seule info que j'avais. Oui. Ah, tu veux peut-être la suite aussi. Oui. Et puis vu qu'il paraît que lundi va faire beau et chaud. Je te propose le lundi au soleil de Claude François. Oh là là. Alors si lundi le temps est pourri, c'est Romain. Donc voilà. Alors Kinvé et Claude François, c'est tout de suite sur RVL. On se retrouve dans quelques minutes. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur le vol 777 à destination de Papeete, Tahiti. Je vous demanderai de bien vouloir remonter votre cachet blanc. Je suis le commandant Kinvé. Ensemble, bon, un jour j'irai, alors viens.
Regarde ta montre, il est déjà 8 heures. Embrassons-nous tendrement. Un taxi t'emporte, tu t'en vas mon cœur. Parmi ces milliers de gens, c'est une journée idéale pour marcher dans la forêt. On trouverait plus normal d'aller se coucher seul dans les genêts. Le lundi au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais. Chaque fois c'est pareil. Toi, tu es à l'autre bout de cette ville, là-bas comme chaque jour. Les dernières heures sont les plus difficiles, j'ai besoin de ton amour. Et puis dans la foule au loin, je te vois, tu me souris. Les néons des magasins sont tous allumés, c'est déjà la nuit. Le roi du disco sur RVL. Alors, on a eu un petit problème hein, technique. Bah, c'est normal, hein, c'est la dernière et c'est la première côté YouTube. Donc, notre cher Brandon est en train de remettre tout ça. C'est tout simplement parce que le PC s'était mis en veille. Donc, voilà, on le saura à partir de septembre qu'il faudra faire attention à ça. Alors, Brandon, là, ça donne quoi ? Ouais, ça revient. Le son revient dans quelques secondes sur le direct. Comme Clo-Clo, ça s'en va et ça revient. Alors du coup, avant de prendre Anne et Anne Cléret au téléphone et Nathalie, c'est ça ? Brandon, je me trompe c'est pas. Ça, ouais, c'est ça, Anne Cléret et Nathalie. Voilà. Et on va juste terminer un dernier point avec Jean-Luc. Donc on parlait hein, par rapport aux chevaux, là, d'Amandine et son refuge. Ouais. Donc c'est vrai que c'est des animaux dont on, quand on parle de maltraitance, on pense plus aux chiens. Oui, surtout ça, les chiens, surtout les chats. Bon, il y en a, mais c'est vrai qu'on pense beaucoup aux chiens et malgré ça, il y a de la maltraitance aussi sur les chats. Et là, c'est une bonne chose justement de parler un peu des chevaux. Et puis après, tu sais, il y a deux sortes de maltraitance. Il y a la maltraitance active et la maltraitance passive. Et ça, on n'y pense pas, la maltraitance passive. C'est quoi ça, par exemple ? La maltraitance passive, ça veut dire tout simplement, c'est que quand on se rend pas compte qu'on fait du mal à son chien, quoi. D'accord. L'exemple tout bête, si par exemple tu laisses ton chien dans la voiture quand il fait chaud, on va reprendre au niveau de la chaleur, et quand on va dire aux gens justement qu'il ne faut pas faire ça, les gens ils vont dire bah, « je ne savais pas ». Et bah, on appelle ça de la maltraitance passive, parce que les gens ils font la maltraitance sans se rendre compte, quoi. Et on peut partir sur plein de points de vue comme ça, quoi. Enfin, après ça, c'est par exemple, comme tu dis, mettre son chien dans une voiture, ce serait plus de la logique. Oui, si on réfléchit deux secondes en se disant, bon, attends, au fait, il fait chaud, est-ce que c'est une bonne idée de laisser le chien ? Bien sûr, oui, c'est ça, mais bien sûr, oui. Donc voilà. Brandon, alors, ça donne quoi notre direct ? Là, il est en plein stress parce qu'il sait que c'est lui qui est responsable de tout ça. Alors, qu'est-ce que ça nous donne ? Ça arrive, parce que nous, on a un décalage, donc automatiquement,
Mais c'est relancé, là, c'est reparti. Dans quelques secondes, vous pourrez réactualiser votre... Voilà, donc c'est mieux, que c'est pour ça qu'on tenait à faire ça, justement, à la dernière. Et puis, comme ça, au moins, pour les émissions de la nouvelle saison, au moins, tout fonctionnera. C'est bon, là, c'est bon. C'est bon, là, ça y est, on a le son. On a tout. Alors, on peut prendre notre deuxième invité au téléphone ? Bah, exactement, oui. En plus, c'est une invitée à laquelle tu tiens énormément, parce que c'est toi qui as fait pas mal de boulot là-dessus. Ouais, effectivement, j'ai bossé depuis la semaine dernière. Et on a réussi, donc c'est bien. C'est et là, surtout, c'est grâce à Jean-Marc. Jean-Marc, qu'on embrasse, il doit nous écouter sûrement. Je pense voilà, c'est bon pour nous, Romain. Donc si tu peux nous mettre notre prochain invité en ligne. Je sais pas si on va voir Anne ou sa mère, du coup. Voilà, allô ? Allô ? Ah, attends, on a le son qui est un peu fort, là. Ouais, oula. Voilà, là. Non, c'est bon, là. Allô ? Allô, oui. Oui, alors à qui avons-nous affaire ? Est-ce que c'est... Pour l'instant, c'est moi la maman, donc Nathalie. Voilà, bonjour Nathalie. Bonjour. Alors Nathalie, là je suis en compagnie de Brandon. Ouais, bonjour Nathalie. Bonjour Brandon. Il y a Jean-Marc, Brandon, hein, tu sais c'est qui, hein, t'as parlé beaucoup. Bah, oui, quand même. Un petit peu, j'ai échangé deux fois par téléphone. Voilà. On a réussi à se joindre et... Donc il y a Brandon, il y a Jean-Marc, Jean-Luc, oh j'ai parlé de Jean-Marc juste avant. Je crois que tu vas jamais y arriver. C'est les vacances. Bonjour. Donc Jean-Luc qui est éducateur canin. Elle est toujours là ? Allô ? Ah, non, je t'entendais plus, c'est pour ça. Et puis donc, on a Romain, notre technicien, qui fait un travail admirable. Hein, il est content, lui lance des fleurs. Alors bon, bah, donc comme je disais, donc tout d'abord, bonjour. Alors, comment on a connu Nathalie et... Jean-Marc. Voilà. Jean-Luc, Jean-Marc. Enfin, Jean-Marc, il y a quelques semaines, qui était venu dans l'émission. Un fidèle. Et donc, il nous avait parlé du bouquin. Oui, du livre, effectivement, oui. Et il nous a un peu expliqué l'histoire... Le parcours, un peu. De Nathalie, ouais, justement. Alors, Nathalie, comment ça va ? Un peu stressée ? Oui, un petit peu quand même. C'est la première fois. Bon, il n'y a pas de raison, Nathalie. Mais bon, ça va aller, hein. Mais bien sûr, pourquoi ça irait pas ? C'est une première. Donc, c'est vrai que nous, moi, j'ai connu Jean-Marc parce que c'est lui qui... Il m'a guidé un petit peu dans les démarches pour mon livre. D'accord, ton livre qui s'appelle Se cacher pour faire le bien. Voilà, donc c'est un premier livre aussi, donc la nouveauté. Et puis on était un peu perdus avec ma fille et c'est Jean-Marc qui nous a guidés bien comme il faut. D'accord. Alors donc du coup, nous, Jean-Marc, il nous a parlé un peu de toi, il nous a expliqué qu'en fait, alors bien sûr, hein, comme on a dit, on citera pas les lieux où tu te rends justement pour nourrir les animaux, mais donc c'est ça en fait ton activité principale, tu nourris les animaux en fait. Voilà, donc depuis quelques années, ça fait plus de 5 ans. Donc c'est ma fille qui m'a entraînée un peu dans cette histoire-là, et comme je suis d'une hypersensibilité, voilà, ben j'ai commencé à nourrir un chat, deux chats, puis trois, et puis voilà, la liste s'est allongée. Et c'est, en fait, c'est une histoire sans fin, et ça, voilà, c'est beaucoup de travail, et voilà, je ne peux pas abandonner des chats que je nourris, donc je continue, et puis... C'est une mission, un rituel de tous les jours, mais c'est pas seulement les nourrir, c'est aussi les soigner quand on peut. Donc surtout le plus important, c'est la stérilisation, hein, pour éviter la prolifération, la souffrance, les maladies, tout ce qui en découle. Hein. On sait que c'est catastrophique, les chats qui se reproduisent, voilà, à tout va, hein, à une vitesse, puisqu'on sait que... On sait qu'une petite lunette peut... Alors, attends, Nathalie, j'ai une toute petite question. Est-ce que tu es en kit main libre ? Ah, oui. Oui, parce que du coup nous, de notre côté, on entend très très mal, c'est pour ça. Alors, je ne sais pas si tu es en kit main libre ou pas. On enlève. Ah, alors, voyons voir ce que ça donne. C'est les joies du direct, hein, bien évidemment. Voilà. Donc, il faut que je recommence Non, c'est bon. C'est mieux. Voilà, donc tu disais que au niveau de la prolifération des chats qui sont pas stérilisés, évidemment, c'est catastrophique, quoi. Qui en découle des petits chats sont partout, de la misère, de la souffrance, des maladies. Donc avec ma fille, quand on peut, donc on fait stériliser aussi des chats. Vous m'entendez ? Oui,
Oui, on vous entend, oui. Et vous, vous les nourrissez tous les jours? Alors oui, je les nourris tous les jours, et donc ben voilà, chaque jour, je me lève à 4h30 du matin. Et vous en avez beaucoup comme ça à nourrir? Vous allez dans différents endroits? Oui, différents endroits, j'ai à peu près, on va dire, une dizaine de kilomètres en tout, hein. Et donc là ça s'est allongé, j'ai une vingtaine de points de nourrissage. D'accord. Et donc on a fait stériliser pas mal de chats que nous avons relâchés sur leur lieu de vie. Et là, on a sauvé aussi des chats de percutés par les voitures, accidentés, des chats très malades. Voilà. Donc, on peut faire quelque chose pour eux. Mais c'est un combat, hein. C'est un combat parce que nous, on est bénévoles. Oui, et c'est pour ça qu'au niveau budget, parce que évidemment, les nourrir, les soigner, oui, c'est un budget. Oui. Franchement, c'est un combat de tous les jours. Et heureusement, ma fille, qui est née sous une bonne étoile, je lui dis toujours, parce que grâce à elle, c'est grâce à elle qu'on arrive à obtenir... déjà, nous, on met une bonne part pour une bonne participation à tout ça au niveau du budget. Mais grâce à ma fille, qui est très connue sur les réseaux, donc nous bénéficions de dons. Alors, nourriture et parfois des dons pour les soins qui vont directement chez notre vétérinaire. Mais une petite question, est-ce que justement, tu n'as aucune aide, par exemple, de la mairie, de tout ça? Non, alors ce qui s'est passé, c'est que nous, les premières années, on faisait les stérilisations à nos frais, où des gens nous aidaient, des bonnes âmes. Et puis là, depuis à peu près un an, avec la participation de notre cabinet vétérinaire, donc nous faisons stériliser des chats par le biais de la communauté de communes. Oui, parce que moi je trouve qu'à chaque fois, tu vois, on a eu le problème avec tout à l'heure, par exemple, on disait qu'il n'y avait personne en fait pour aider les assos, les refuges. Ouais. Là, c'est encore un problème. Du coup, t'as pas ouvert une asso aussi, non? Non, parce que bon, franchement, enfin. Non, mais voilà, justement, alors le problème, il est là, c'est que c'est des gens qui font même pas partie d'assaut, qui font ça sur leur temps déjà à eux, sur leur argent à eux, donc à part quand il y a des gens qui les aident. Et d'un autre côté, t'as la mairie qui serait, eux, obligés de faire travailler du monde, de peut-être faire des soins où on pense qu'ils se prendraient pas la tête, ils euthanasieraient directement. Voilà. Mais c'est pas normal tout ça. Ben non, c'est pas normal. Donc nous, dernièrement, bon ben c'est vrai qu'on passe par la communauté de communes avec notre veto, celui qui fait la demande, hein, il s'occupe de ça. Par contre, si le chat qui est chez lui a besoin d'autres soins, on sait très bien que la communauté de communes ne prendra pas en charge, et c'est nous qui prenons en charge. Donc ouais, les antiparasites, les vermifuges... En fait, c'est facile, on laisse, on dit « ah, va s'en occuper », et puis voilà, en gros. Ben, c'est ça, mais bon... Si on avait su, on l'aurait fait quand même depuis le début, parce que nous, depuis le début, on payait plein pot. Mais comme je vous disais, on a la chance d'avoir deux ou trois donateurs qui sont en Suisse, et même une dame qui est en Australie, une expatriée française, qui nous aide bien de ce côté-là. Sinon, oui, on ne pourrait pas faire les trois quarts de ce qu'on fait actuellement. Non, mais moi, je trouve que c'est grave, ça. Et les magasins, est-ce que tu as démarché les magasins autour de chez toi pour voir si, de temps en temps, on pouvait pas faire des dons de croquettes, de quelque chose? Oui, alors nous, on va dire deux fois l'année seulement, parce qu'il n'y a qu'un seul magasin qui accepte où on peut faire une collecte de nourriture pour les chats. Ah, parce que les autres magasins refusent que tu fasses une collecte, par exemple, à l'entrée du magasin. Oui, parce que comme on est de simples bénévoles, on n'est pas une association. Donc, pour bénéficier des collectes que nous avons actuellement, deux à l'année, on passe par le biais d'une association qui est en Charente-Maritime. Oh. Et cette association-là aide les bénévoles de toute la France. Donc, voilà. Ça, c'est... Bon, malheureusement, plus de ça, on faisait un peu plus de collecte, mais je ne sais pas si je dois en parler, mais j'en parle quand même vite fait, puisque j'en parle aussi dans mon livre, hein, parce que nous, dans notre commune, donc on a un couple, on va dire, maudit.
qui est très jaloux malheureusement de ce qu'on fait, alors qu'on fait tout ça pour les animaux, il n'y a rien pour nous. C'est grave, hein. Comment on peut être jaloux de ça? Ouais, voilà, comment on peut être jaloux de ça? Eh bien si, ça existe, et donc des gens qui ont fait la misère à ma fille pendant des années, hein, puis ça continue, et donc qui sont allés voir dans les supermarchés pour dire qu'on n'était pas une association, qu'on faisait, voilà, c'est du trafic, la bêtise, des choses. Ouais, c'est ça, donc c'est... Alors par contre, on pourrait peut-être, Nathalie, enfin ça on pourra en parler hors antenne, mais pourquoi pas voir, moi je connais une personne justement qui a ouvert, même là une deuxième qui a ouvert son association, qui fait des choses, pourquoi peut-être pas vous mettre en relation vu que vous êtes à peu près des mêmes coins. Et que ça pourrait permettre justement que tu puisses faire des collectes et on ne sait jamais. Bah oui, parce que ces collectes-là, elles sont quand même, c'est indispensable, hein, parce que quand on fait une collecte, en général, c'est le vendredi, le samedi et le dimanche matin. Et ben là, c'est super, quoi. On est tranquille pendant 2-3 mois. Ouais, non, là, c'est, franchement, ça me, c'est des choses, ça, je comprends pas. Tu fais quelque chose pour, parce que ces gens-là, c'est pas eux qui se lèvent le matin pour aller donner à manger aux animaux. Enfin, je sais pas, c'est. Bah, justement, par rapport à ton bouquin, Nathalie, qui s'appelle Se cacher pour faire le bien. Ça, c'est pareil, c'est un titre, c'est, se cacher pour faire le bien. Ça nous a mis une claque, nous, de... C'est un truc... C'est-à-dire qu'au départ, avec ma fille, on faisait ça le matin, dans la matinée. Et puis on s'est rendu compte que les gens, beaucoup de gens sont malveillants. Alors comme tu dis, attends, on va juste revenir sur un petit truc là. C'est, là tu dis tout de suite, avec ma fille, on faisait ça le matin. Quand tu dis on faisait ça, on parle bien d'aller nourrir des pauvres bêtes. Hein. Oui, au départ on faisait ça toutes les deux. Et puis bien sûr on avait beaucoup moins de chats, donc on faisait ça à pied. Des pauvres bêtes, que ça se trouve, c'est ces gens-là qui ont peut-être abandonné. On ne sait pas, mais ça se peut aussi, hein. Des gens qui ont abandonné leurs chats. Ah bah, parce que du moment que tu as des chats errants dans ta ville, c'est qu'il y a des gens qui les ont abandonnés. Ah bah oui. On en a eu des cas. Hein. Voilà, donc c'est pour ça, et ça se trouve, c'est peut-être, hein, je sais pas, je connais pas la situation, mais ça peut être ce genre de personnes, justement, qui eux ont abandonné leurs chats et qui sont peut-être contre ce que tu les nourrisses, tu vois. Oui, bah aussi, oui, on voit de tout, hein, de toute façon... Mais c'est un truc de fou quand même, non ? Les chats que je nourris qui sont affectueux, c'est qu'ils ont connu la main de l'homme. Hein. Ceux qui sont affectueux, après, il y en a beaucoup qui restent sauvages, hein, qui ne s'approchent pas trop. Non, mais c'est bien déjà de leur donner à manger. Après, le top, ça serait vraiment de voir avec des assos, avec du monde, pour les stériliser de façon à ce que bah, ça aggrave pas la situation. Après, s'ils sont stérilisés, bah, voilà, ils font leur vie... Enfin, mais moi, la chose qui me choque le plus, c'est quand même le titre de ton livre, de se cacher pour faire le bien. Il est percutant. Que, figurez-vous que, donc, en me levant, je me lève tous les jours à 4h30 du matin, je pars de chez moi à 5h, donc je vois personne et je suis pas embêtée. Mmh. Oui, mais tu te rends compte que tu es obligée de te cacher? C'est grave quand même, quoi. Oui, c'est grave. Non, mais c'est un truc de fou, ça, quand même. On a du mal à y croire, en fait. Ouais. C'est vrai qu'on a du mal à y croire. En 2024, on alors, toi, tu vas te cacher, pour, comme tu dis, pour faire le bien, pour aider des pauvres petites bêtes. Mmh. Et à côté de ça, t'en as qui se cachent pas du tout pour dépenser du pognon, pour faire n'importe mal, quoi. Et c'est voilà. Qui pour faire du mal aux animaux et que derrière, ils sont pas occupés, ni avoir des ennuis avec la justice. Ils se cachent pas, eux, pour faire du mal aux animaux. Alors, je sais pas si on l'a dit, mais de toute façon... On peut le voir dans ton livre, mais je sais pas si on a dit le secteur. Après, tu veux peut-être pas trop dire le secteur. On peut se dire que t'es en Seine-Maritime, déjà. Mmh. Et donc, je sais pas si on le voit dans ton livre ou que tu te trouves, mais après, à mon avis, peut-être sur les réseaux. Mais ce que je veux dire, c'est que s'il y a des personnes qui écoutent l'émission, je sais pas, qui ont peut-être des magasins, des personnes qui ont les moyens, qui justement ont envie d'aider, c'est le moment. C'est ça, là, par exemple, vous avez l'exemple d'une personne qu'il faut aider. Parce qu'en plus de ça, ça nous arrive d'accueillir des chats, comme là actuellement dans notre jardin, nous avons accueilli un chat qui est très très malade, et on est en train de lui sauver la vie, mais alors ça nous coûte très très cher. Alors on a eu des dons pour lui qui vont directement chez le vétérinaire, comme là lundi on l'emmène chez le vétérinaire. Alors le pauvre chat va se faire... parce que bon, déjà il a un problème grave au rein, il a une sinusite chronique, il est anémié, il a le sida,
La totale, il a un ulcère sur la langue qui s'est élargi, donc il peut même plus se laver, il a très très mal. Il a des dents pourries. Pauvre bébé. Donc le lundi, le vétérinaire donc, va l'anesthésier. Bon là, on lui a fait pas mal, des injections de PO pour augmenter ses globules rouges. C'est au niveau de son immunité, parce que là, si on l'opère, le chat, il va rester sur le billard. Donc là, on fait tout le nécessaire pour le requinquer un peu, et après, on va lundi, il va se faire opérer, parce que on a déjà fait du chemin avec lui, hein, parce que ça fait un mois qu'on l'a, qu'on prend soin de lui. Et lundi, donc, le vétérinaire envisage de l'opérer. Il y aura des prises de sang, il va se faire castrer aussi par la même occasion, parce qu'il y a un monsieur qui habite en Bourgogne, à 520 km de chez nous, qui est très intéressé par ce petit chat qui s'appelle Potiron. Ouais, donc, on fait tout pour lui donner le plus en forme possible. Hein. Ouais. Et le monsieur va l'adopter en tout état de cause, en connaissant son historique, son état. C'est un chat qui a peut-être une dizaine d'années, d'après notre vétérinaire. Et c'est un chat que je nourrissais et qui, voilà, j'arrivais jamais à attraper. Et il en faisait des kilomètres pourtant dans sa misère. Mais j'arrivais jamais à l'attraper jusqu'au jour où vraiment il m'a demandé de l'aide. Ouais, tu vois pas quand même. Là, j'ai pu le mettre dans une caisse de transport et puis l'emmener direct chez le véto. Comme quoi, tu vois, que les animaux, justement, comme a dit, il n'arrivait pas à l'attraper, c'est lui qui est venu un jour en disant « j'en peux plus, il faut m'aider ». Ah oui, quand ils viennent vers nous comme ça, parce que nous on a eu beaucoup d'exemples comme ça, quand l'animal vient vers nous, il se sauve plus, c'est qu'il demande de l'aide. Mmh. Et là, je vous assure, ça fait un mois qu'on l'a dans notre jardin, dans un abri à chat, et donc il est reconnaissant, hein. Il est reconnaissant. Voilà. Bah moi je pense que justement c'est le ça là tu vois par exemple on a une personne là qu'il faut aider. Donc comment on peut faire justement pour t'aider? On peut par exemple acheter ton livre déjà? Bah oui, ça serait sympa. Alors comment on fait si par exemple on veut se procurer ton livre? Enfin, peut-être pas dans toutes les librairies, je ne sais pas trop. Sinon, directement par le biais du Lys Bleu, mon éditeur, le Lys Bleu. Si tu peux nous envoyer les liens et nous, on va les partager sur la page déjà. Oui, d'accord. Et puis, surtout, s'il y a des personnes, des auditeurs qui veulent aider, hein, même... vous savez, si tout le monde donne même ne serait-ce qu'un euro... Oui, c'est ce qu'on dit souvent. Voilà, c'est énorme. On se prive d'un petit café le matin au bar ou d'un petit truc, mais faire un petit don pour sauver des chats. Ouais. Parce que voilà, là, par exemple, on a un exemple. C'est facile, on a des gens qui vont aller sauver des animaux, on passe à côté, on ferme les yeux. Bon, voilà, c'est eux qui le font, point barre. Mais voilà, c'est compliqué. Moi, je comprends pas comment il y a des gens qui peuvent pas aider. Enfin, je parle pas de nous, hein. Je parle des gens, des grands, des mairies, des choses comme ça, de l'administration qui peuvent pas aider, en fait. Qui ont les moyens, mais qui. Voilà, c'est ça. Vous cherchez le mot, c'est ça. Qui ont les moyens. Mmh. Comme pour en revenir à Potiron, par exemple, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. Il a une alimentation, du coup, adaptée à ses besoins, à ses problèmes. Mmh. Oui, donc ce qui veut dire que le paquet de croquettes, il vaut une fortune. Voilà, ça, le paquet de croquettes vaut une fortune, la petite pâtée vaut une fortune. Et donc, c'est sûr que là, il y a certaines personnes qui nous ont dit vous auriez dû le laisser partir dans les étoiles. Mais nous, on a une sensibilité et puis on fait les choses jusqu'au bout. On a sauvé des chats comme ça qui, on leur donnait pas cher de vie et puis finalement ils sont encore là. Hein. Oui, et puis peut-être que chat, il a tellement dû vivre. Moi je dis avec l'amour et les soins, on fait des miracles. Oui, puis je disais, je pense que le chat, il a tellement dû vivre l'enfer. Que là, d'avoir des gens qui s'occupent de lui, qui, voilà, au moins, s'il doit partir, il partira, mais il partira dans l'amour et il partira pas tout seul dans un coin de rue ou sous une voiture ou quoi que ce soit. Est-ce que tu voulais revenir sur quelque chose, peut-être Je pense que je ne sais pas si je peux passer un petit peu ma fille. Ah, si elle veut nous parler, tu peux nous la passer. Moi, c'est ce que je disais, moi, ces personnes-là font partie des héros du quotidien, dans l'ombre, mais c'est ce que. Des héros? Des zéros du coup. Des héros, t'as vu?
Alors, bon, oui, on a même sauvé des petits hérissons, des autres animaux, des oiseaux. Oui, voilà, mais c'est des gens comme ça, en fait, tu sais, qui font des petites choses à leur échelle, qui sauvent des petites bêtes tous les jours, et puis... Mais oui, c'est pour ça que moi, ce petit livre, je tenais quand même à, du coup, se cacher pour faire le bien, du coup, je vais être un petit peu connue. Mais j'avais tellement d'histoires à raconter au quotidien. Ah, mais je pense que c'est un beau livre à se procurer, se cacher pour faire le bien. Tu vas nous envoyer ton lien, tout ça, ou ce qu'on peut, on va le partager si les gens ils vont faire une bonne action, puis ils vont lire un bon bouquin en plus. C'est voilà. Tu voulais nous passer ta fille alors? Oui. Eh ben, je vous remercie en tout cas. Merci à toi. C'est un beau témoignage, franchement, pour le dernier des vacances, comme on disait, dernière émission des vacances, c'est. Merci à vous. Bah, tant mieux, alors. Deuxième beau témoignage, quoi. Ouais. Bon, c'est sûr, on aurait préféré vous rencontrer. Mais on a le temps, à la rentrée, tu pourras passer à la radio. Bah, on aimerait bien vous voir quand même un jour. Oh, c'est gentil. C'est... Oh, tu sais, tu loupes pas grand chose. Hein. Il parle pour lui. Hein. Enfin, vous êtes bien sympathique en tout cas. Ben merci, c'est gentil. C'est surtout vous qui l'êtes. Ben, je vous passe ma fille. D'accord, merci. Et je vous souhaite bonnes vacances. Et puis une vous aussi, si jamais. Ben voilà, exactement. Ben, bon retour. Et puis de toute façon, on va se tenir au courant et tu viendras à l'émission quand tu pourras. Et bonne continuation. J'espère bien. Puis surtout, on va lancer un appel pour aider. Hein, les gens, s'ils ont envie de vous aider, au pire, ils peuvent nous contacter, nous, soit par la page Facebook, soit par la radio. Si sur vous YouTube avez envie de oui, par YouTube, s'ils ont envie d'aider, de faire un don ou d'acheter des croquettes, tout ça, on peut toujours trouver un moyen de récupérer ça. Moment, voilà. En ce moment, plus de ça, il y a beaucoup de petits chatons. Hein. Oui, bah oui, justement, c'est pour ça. Donc, moi, ce matin, j'en ai encore vu des nouveaux. J'ai vu trois chatons qui cavalaient derrière les buissons. Bah, c'est pour ça que c'est important, justement, la stérilisation, mais c'est un budget. Voilà. Donc, mais je vais essayer de voir pour te mettre en relation avec une ou deux personnes qui ont des assos pour voir si, comme je te disais tout à l'heure, s'il y a possibilité de faire quelque chose. Et si même des auditeurs ou auditrices, bah, peut-être vous avez des connaissances, vous connaissez peut-être des patrons de magasins, vous connaissez peut-être des vétérinaires, enfin, j'en sais rien, vous connaissez peut-être du monde qui peut aider justement, bah n'hésitez pas, surtout parce que là ça serait faire une bonne chose. Et même si vous avez, comme je le disais tout à l'heure, si vous avez envie d'aider en faisant un don de croquettes, en faisant, si vous avez les moyens, un petit chèque, peu importe, hein, tout don est bon à prendre, n'hésitez pas. Vous savez, même aussi les croquettes qui sont un peu périmées de date, c'est pas bien grave, hein, plutôt que de les jeter. Ouais, comme on disait aussi il y a 15 jours, des couvertures, des... Ouais, enfin, il y a plein de choses. Il y a plein de choses, ouais, vraiment plein de choses. Par contre, pour la cabriolet, on ne pourra rien faire. Hein. Ouais. Allez, bah, du coup, on va te presser un peu si ta fille avait quelque chose à nous dire, parce que comme le temps tourne, puis après, bah, nous, on va partir dans une pause musicale. Il faut qu'on fasse travailler un peu Romain. Hein. Entendu, je vous passe ma fille. Merci beaucoup. Mialo ? Oui. Oui, bonjour tout le monde. Bah bonjour et au revoir. Vous allez bien ? Bah oui. Et toi, ça va bien ? Bah oui. Qu'est-ce que tu vas nous chanter ? Voilà, je suis un petit peu stressée pour le coup. Bah on croirait pas. Mais bon, ça va, ça s'est bien passé. Et puis, bah non, mais c'est sympa d'avoir fait votre connaissance. Et puis, bah, on espère vous rencontrer prochainement. Ouais, bah normalement, on sera au JO, là, bientôt. Moi, je ferai du saut à la perche. Et puis voilà. Non, mais en tout cas, comme on disait, bah, vous faites un énorme boulot, toi et ta mère, franchement. Les zéros héros du quotidien. Les héros, pas les zéros. C'est Brandon. On va le laisser gérer YouTube, lui, hein, voilà, parce que là. Mais non, sinon, c'est vraiment un travail magnifique que vous faites. Et, le coup de cœur de l'année, moi voilà. Je le pose tout de suite, c'est le coup de cœur de l'année. Franchement, de l'émission. Bah, t'as pas de mal, c'est la dernière. Alors, lui. Et donc, du coup, comme on dit, si on peut essayer de vous mettre en relation avec des assos, avec quelqu'un qui peut aider, on ne sait jamais s'il y a des magasins, des gens qui ont les moyens qui veulent vous aider. On va rappeler que vous êtes en Seine-Maritime, hein, on donnera vos coordonnées vraiment aux personnes qui voudront vous contacter. Et puis surtout, bah, on attend le lien pour le partager, pour acheter le bouquin, Se cacher pour faire le bien. Le LIS, l'émission Le LIS, l'édition.
Donc on peut peut-être le trouver sur internet, t'as regardé? Oui, c'est ça, l'édition Le Lys, il y a un lien directement. C'est Le Lys bleu. Oui, je vous donnerai tout ça. D'accord, bah comme ça on fera ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci de nous avoir accordé. Et puis, bah, à ce moment-là, on se dit peut-être à la rentrée, on vous recevra quand vous aurez le temps. Oui, bah oui, avec plaisir. Bon, bah qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de bon à l'heure? Bah, une bonne continuation pour la suite. Beaucoup de courage, hein, parce qu'il en faut. Sauver encore plus de chats. Voilà. Ouais, c'est vrai. Vraiment les protéger, voilà, les nourrir. Le 36-77 aussi. Oui, pour ce qui est très important. Oui. Bah oui, ça marche aussi pour les chats. Bien, bien sûr. Bien sûr, bah pour tout. Hein. D'accord. Bah, en tout cas, merci beaucoup à vous deux. Et puis, bah, merci pour ce que vous faites pour ces petites bêtes. Voilà, merci. Merci pour eux, oui. Et puis, bah, on, de toute façon, on reste en contact et on voit pour ce qu'il y a un rendez-vous pour que vous puissiez passer à la radio. Il n'y a pas de problème. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors voilà, donc deuxième témoignage, comme tu disais tout à l'heure, bah, pour finir la saison. Exactement. Ouais. C'est d'un côté les chevaux, là les chats. C'est vrai que puis c'est magnifique ce qu'ils font ces gens. En fait, ils donnent de leur temps. Ils touchent rien. Ils n'ont pas de salaire. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que c'est beau de pouvoir aider. Donc c'est faut... des bonnes personnes, quoi. Ouais, non, mais c'est. Héros du quotidien, ouais. Moi, je ils sont dans l'ombre, mais franchement, ils méritent toute la lumière de certaines personnes. Oh, monsieur le philosophe, aujourd'hui. Ouais. C'est les vacances, c'est la dernière. Ouais, c'est les vacances. Au moins, pour une fois qu'il ne fait pas de boulettes avec Internet, comme ça, déjà, c'est ça. Notre cher Romain, qui dormait au bout de son micro. Ah non, je ne dors pas. Hein. Non, je te taquine. Est-ce que tu nous as préparé quelque chose? Ah oui, t'inquiète, c'est déjà prêt. Ah, oh, alors, qu'est-ce qu'on va écouter, c'est Romain déjà prêt. Alors, on aura Kungs. Ah, il aime bien Kungs, lui. Oui. Avec I Feel So Bad. Ouais. Et puis après, on aura David Guetta et One Republic. D'accord, ok. Bon, bah, c'est des chansons pour l'été, ça, ou pas? Bon, je pense, hein. Bon, bah, allez, voilà. Bah, on est parti avec les deux titres qu'il y a dit, parce que moi, j'ai rien compris. Et puis, on se retrouve après. Bah, il va être bientôt l'heure de se dire au revoir, malheureusement. Mais on se retrouvera mieux en septembre. Exactement. Allez, à tout de suite sur RVL. I was so in love. I didn't think that I could be strong, but those things start slipping. Thought they'd go back to how they were. Should have been on sooner. But things got so much worse. Just change.
thinking about you, I'm just trying to dive right in. Wanna spend tonight like the last night of our lives, chasing all the love we can. And now, oh, I'm in a sea of lies, and all that I can see is you. And now I'm dying to feel alive, so baby let's try something new. Let's make tonight. Pour ces deux titres, que va vous, bah, on va vous redonner les titres tout de suite. Romain, vas-y. Alors, le premier, ah, c'était Kungs avec I Feel So Bad, et puis juste après, c'était, juste, c'était David Guetta et One Republic. Nickel, bah, c'est bien. Mon petit Romain, t'as bien retenu la leçon. Alors, bah, nous, du coup, on peut peut-être faire un petit compte-rendu de, bah, de l'émission. On peut peut-être bah, se dire qu'est-ce qu'on pourrait tiens, rajouter à l'émission. Est-ce que quelqu'un aurait des idées, tiens? Déjà expliqué le but de l'émission. Ah oui, ça, ça, alors là, ça, Jean-Luc, il y tient, ça. Ouais, y tient. Ouais, ouais, mais c'est vrai qu'il a pas tort, parce que c'est vrai que comme il y a des nouveaux, il y a des nouvelles personnes, et puis on espère que ça va faire que grandir. Et c'est le top. Alors, pour la peine, on va demander à Romain de nous expliquer ce qu'est l'Arche de Yona. On t'écoute, Michael. Voilà, ça c'est top. Alors du coup, oui, non, t'as raison, tout à fait. On va le rappeler. L'Arche de Yona, qu'est-ce que c'est ? Bah, c'est une émission pendant laquelle on partage des offres d'adoption, on suit l'actualité des refuges, des associations, on laisse la parole bah, à des gens comme on a eu là, des gens qui font le bien pour les animaux autour d'eux, parce que c'est comme Brandon l'a dit tout à l'heure, ça permet un peu de les mettre à la lumière et puis de faire voir qu'il y a beaucoup de gens qui sont bénévoles, qui gagnent pas un rond et puis qui aident les animaux des fois sur leur propre denier. Et puis bah voilà, c'est surtout ça le truc numéro un. Après, ça nous fait découvrir aussi des assos un peu partout. L'avantage qu'on a, c'est maintenant que comme on va être diffusé en direct sur YouTube, on va pouvoir faire découvrir aussi d'autres assos qui se trouvent ailleurs, comme on l'a déjà eu pendant l'émission. On avait eu une asso. La semaine dernière. Non, mais on a eu des assos bien avant ça. Par exemple, de l'île de la Réunion. On a eu une asso aussi à un moment qui appelait de Roumanie. Donc on a eu plusieurs assos comme ça qui appellent de partout et qui nous font découvrir aussi que dans plein de pays du monde, bah, c'est la misère et c'est déjà la misère chez nous, mais chez eux c'est encore pire en fait. C'est encore pire, oui. C'est pour ça parce qu'une fois on a eu justement l'asso qui allait en Roumanie et la première question, je me rappelle que je lui avais posé, je lui avais dit mais pourquoi on va aider ton asso plutôt qu'une asso en France ? Et c'est vrai parce que les gens peuvent se dire ça, dire ouais c'est bien bon, on va aider une asso qui va aider à l'étranger, mais pourquoi pas aider déjà les animaux qu'il y a chez nous. Et donc on y avait laissé la parole, elle nous avait expliqué à l'époque, j'ai plus son prénom, mais ça serait bien qu'on les recontacte toutes ces assos là. Et elle avait expliqué qu'en fait tout simplement en France, malgré tout, on a la chance d'avoir beaucoup d'associations, de refuges. Et c'est pas le cas pour tout le monde, mais d'avoir des magasins qui donnent des croquettes, des, enfin voilà. Partenariat, voilà.
Et dans certains pays, comme par exemple en Roumanie ou au Maroc, la dernière fois, on a l'user aussi, qui se trouve au Maroc, qui galère aussi, et ben, eux, ils ont pas la chance d'avoir des communes, enfin tout ça, qui vont aider ces associations-là. Et moi, je me rappelle un truc qui m'avait marqué, c'était par exemple pour une asso en Roumanie, où elle expliquait que t'avais des chiens qui mouraient, et quand on avait le cadavre du chien, on le jetait pas. C'était mélangé à d'autres croquettes, tout ça, pour faire de la du truc consistant pour les autres chiens. Ouais. Donc, quand tu vois ça, t'as aussi une asso qui nous avait appelé, je crois que c'était, je sais plus si c'était de l'île de la Réunion ou quoi, mais qui expliquait que par là-bas, par exemple, on se servait des petits chiens pour pêcher le requin. Ouais, la pêche au requin, aux petits chiens. Donc, on prend des petits chiens vivants, on leur met un hameçon dans la bouche, on les balance à l'eau, puis ils attirent le requin, puis voilà. Donc il y a plein de choses, c'est comme tout à l'heure Amandine nous a expliqué aussi pour les chevaux, on se sert des chevaux pour monter dessus, se balader, et puis voilà, on pense pas à la bête. On a le cas, comme tu disais tout à l'heure, avec les chameaux par exemple, chameaux dromadaires, tout ça, mais il y a beaucoup d'animaux comme ça, beaucoup d'animaux que l'homme se sert pour son bien-être ou pour divertir tout simplement. Pour gagner du fric. Oui, bah, c'est vrai. Mais c'est ça, c'est la paille du gain, quoi. C'est que on s'occupe pas du bien-être de l'animal. Ce qui compte, c'est ce que il va rapporter, quoi. Alors c'est vrai que on a la chance, on a beaucoup de choses qui sont faites quand même, je trouve, maintenant. Par exemple, comme on a vu, nous, chez nous, c'est l'État qui a lancé le 3677. Ce numéro, on va te laisser la parole, Brandon, le 3677, parce que là, vu que c'est la dernière avant le mois de septembre, pour les gens qui ont le bonheur de pas t'avoir entendu répéter 3677 pendant au moins une heure, c'est quoi le 3677? C'est pour la protection animale, en fait. Ou tout simplement le 3677 numéro qui a été mis en place. En fait, je le répète assez souvent, mais c'est très important. Comme tu disais, ce numéro-là, faudrait l'avoir sur le calendrier, dans le téléphone, dans le portefeuille, en fait, un peu partout, en fait. Parce que ça peut sauver des vies concernant les animaux. Le 3677, on le dit, là, par exemple, j'ai juste mis le 3677 sur moteur de recherche, et on nous met, par exemple, j'appelle le 3677, par exemple, pour des comportements anormaux du propriétaire. C'est-à-dire, alors là, il y a quelque chose qui va peut-être faire rire, mais violence physique ou sexuelle. Il y a des violences sexuelles qui sont faites sur les animaux. Il y en a beaucoup, effectivement. Mais c'est vrai que ça peut prêter à rire. C'est pareil, on appelle ce numéro-là, c'est pas non plus que pour les chiens ou les chats. Ouais. Ça peut être pour les chevaux, ça peut être pour les lapins, ça peut être pour les poules, ça peut être pour les canards, pour tous les animaux. Les animaux, tout bête. Les oiseaux. Oui, voilà, c'est ça, c'est sur tout animal, quoi. Non, mais c'est vrai que là, par exemple, je disais violence sexuelle sur des animaux, mais il y a eu énormément de cas de ça. Là, il y a des gens, ça va prêter à rire, mais mettez-vous à la place de la bête. La bête qui est là, il y a eu combien de bêtes, toi? Alors donc on a ça, on a des violences physiques ou sexuelles sur les animaux, de la négligence. Alors on a de la négligence, on a l'abandon. On a des signes physiques anormaux, par exemple, qui peuvent attirer l'œil. Tu me dis, s'il y a quelque chose on a par exemple un animal très sale. Alors là, c'est pareil. Si le propriétaire a l'habitude de prendre ses animaux pour aller les promener dans la forêt, voilà, quand ils rentrent, s'ils sont dégueulasses, c'est peut-être pas ça vaut pas le coup d'appeler le 3677 pour ça. Après, comme disait tout à l'heure la personne au niveau des chevaux là, qui disait que finalement on se base pas sur la première fois qu'on voit l'animal, il faut attendre quelques jours pour voir un peu comment qu'il évolue. Là, c'est pareil, le chien, c'est que c'est pas dès que tu vas l'apercevoir, il est maltraité. Donc il y a une enquête de fait, hein, quand tu appelles le 3677, il y a une enquête derrière. Oui, de toute façon, ils prennent. Ouais, mais enfin, si on peut leur éviter de perdre du temps sur un truc qui est, voilà, on a par exemple un animal très maigre. Oui, ça. Donc on a ça, ça c'est des signes physiques anormaux. On a animal blessé ou des plaies par exemple. Là c'est vrai que si la bête a des plaies apparentes ou qu'il est blessé, voilà. Alors on nous dit aussi il y a des comportements anormaux comme des mouvements répétitifs. C'est des tocs. Ouais, mais est-ce que il faut voir quoi. Mais un mouvement répétitif, qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que ça peut être par exemple tourner en rond? Le chien qui tourne en rond, voilà, qui se met. Est-ce qu'un chien qui tourne en rond, tout ça, ça peut être un signe justement ou... Non, pas spécialement. Ça peut être, tu sais, un chien, on va dire. Alors c'est peut-être tout bête, mais ça peut arriver aussi. C'est que si par exemple le chien il s'ennuie, il sait pas quoi faire, et que s'il s'aperçoit que par exemple un jour il s'est mis à tourner en rond pour essayer de mordre sa queue pour s'occuper, et qu'il voit que là son maître il réagit,
Il va le faire justement pour que son maître pour agit. Attirer l'attention. Voilà, c'est exactement ça. Donc après, on peut pas dire que c'est un comportement anormal. Non, c'est un comportement qui est normal pour le chien. Justement, ça devient un toc. Et d'accord. Après, le chien, il fait ça tous les jours parce que c'est devenu un toc. Mais il y a rien d'anormal là-dedans. Normalement, quoi. On a un animal très craintif et isolé. Isolé, oui. Craintif, pas spécialement. Parce que si on a déjà parlé la phase de socialisation, la phase d'imprégnation, ouais. Et que si celle-ci elle n'est pas faite correctement, le chien sera craintif, voire peureux. Donc c'est pas pour ça qu'il est maltraité. On va plutôt partir justement comme tout à l'heure, j'ai parlé de la maltraitance passive. Justement, ça c'est plutôt de la maltraitance passive. Tu vois, on peut dire aussi par exemple le chien qui reste toute la journée enfermé dans le jardin. Et les gens, ils vont vous dire, il est dans un jardin. Ouais. Ben, ça, on appelle ça de la maltraitance passive. Parce que les gens, ils ne se rendent pas compte que finalement, ils maltraitent le chien. Ouais, donc c'est vrai que c'est des choses, de toute façon, après, ça ne coûte rien de les appeler puis de poser la question. Voilà. Et on a aussi, alors, des conditions de vie anormales. Alors là, pareil, ça concerne plusieurs éléments. On a un espace de vie inadapté, très petit ou sale. Oui. Donc, mais après, tout dépend, très petit, ce qu'on entend dire. Alors, sale, c'est, oui, ok, d'accord. Après, très petit, on va prendre l'exemple de la cage. Bien souvent, quand on parle aux gens, là, faut mettre un chien dans une cage, aussitôt, les gens, c'est de la maltraitance. Non, ça dépend. Si le chien, on va dire qu'il est anxieux, qu'il est stressé parce que son maître s'en va, rien que de le fait de mettre dans une cage et de l'habituer, évidemment, positivement à la cage, le chien, il va se sentir comme son petit chez lui, quoi. Oui, c'est et ça. Ça va le rassurer. Au contraire, ça peut l'aider, quoi. Je l'ai dit plusieurs fois. Moi, j'avais pris une cage, alors que j'en avais jamais pris. J'ai pris une cage pour ma chaîne au tout début parce qu'elle commençait à bouffer tout, les meubles et il y a les prises. Donc, on en avait parlé de ça parce qu'on dit, c'est vrai que si elle bouffe une prise, elle peut s'électrocuter. Donc, c'était pour sa sécurité. Et c'était une cage très grosse. Moi, j'ai pris la plus grosse, malgré qu'elle était pour. Voilà, j'ai pris la plus grosse. J'ai mis sa couette dedans, des jeux et j'ai même mis une couverture sur le dessus. Comme ça lui fait son repère. Et j'ai essayé de l'enlever, et elle a cherché. Ouais. Donc la cage, elle est toujours à la maison, elle est ouverte. Et donc voilà. Et pourquoi que la cage, elle est associée à quelque chose de négatif? Parce que bien souvent, quand on voit des reportages sur la maltraitance animale. C'est ça, on les met en cage. On les met en cage. Et c'est pas pour ça que justement, oui, on les met en cage, justement, c'est pour les transporter. Ou alors c'est parce qu'il y en a qui les mettent en cage, parce que justement, pour les maltraiter. Mais normalement, si la cage, elle est associée positivement, il n'y a aucun problème. Au contraire, le chien, il va être même heureux dedans. Comme tout à l'heure, j'expliquais, quand on laisse le chien tout seul, on laisse de la musique, tout ça, justement pour positiver le fait de partir. Et si le chien, il est tout seul dans une grande pièce, il va se sentir oppressé. Si par contre, on le met dans une petite cage, justement, là, ça va l'aider. Donc toi... Voilà. Bon, de toute façon, Jean-Luc, on aura le temps de revenir sur tout ça à la rentrée. Moi, en attendant, je vous remercie, Romain, je remercie Jean-Luc, Brandon, on va remercier aussi tous ceux qui sont venus pendant l'émission, tous nos éducateurs, toutes les assos qu'on a eues. Voilà. Avec le travail qu'ils font, c'est... Et puis, on remercie aussi les auditeurs et auditrices avant tout, parce que il y en a beaucoup qui font beaucoup de choses, qui adoptent et puis qui aident les assos, ça c'est magnifique. Nous, on se retrouve, ça sera le premier samedi de septembre. Je sais pas, ça tombe un quai de jour, on vous redira ça entre temps. Septembre, alors du coup, ça sera plutôt le deuxième. C'est le 7 septembre, parce que sinon, c'est le 31. 31 août. Ouais, bon, ça sera le 7 septembre, voilà. Ça. En attendant, on va vous souhaiter de passer un bon mois fin juillet, puis un bon mois d'août. Prenez soin de vos loulous, surtout. Pensez bien à tout ce qu'on vous a dit, toutes les petites consignes. Et puis, on va vous laisser avec vos programmes habituels sur RTL. RTL. Bravo. Ouais. Michael à la part. Ça y est, moi je me suis déjà vu loin, t'as vu ? Il y en a qui vont être contents. Oh, Hervé, les RTL, c'est la même famille, c'est de la radio de toute façon, non ? Voilà. Pas du tout. Alors donc, vous avez compris, je ne serai peut-être pas là la saison prochaine, je serai peut-être sur une radio. En attendant, on va laisser Margot. Margot, qu'est-ce que tu fais là un samedi après-midi ? Bah tiens, Margot, t'as un micro, profites-en. Eh bien, je viens animer durant 4 heures et puis je vais passer différentes musiques et j'ai prévu quelques petits trucs pour les auditeurs, des chroniques musicales, encore une fois, en fonction de chaque décennie. Donc, on va aller des années 70 jusqu'aux années 2000. Et ben voilà, votre programme du samedi. Merci à tous. Et nous, on vous donne rendez-vous le premier samedi. Le 7. Le 7. Et n'oubliez pas de parler autour de vous que maintenant, vous pouvez nous retrouver sur YouTube en direct à chaque émission. Allez, bonnes vacances à tous et à bientôt. À bientôt, au revoir.